Suspense. Suspense. Ah, ça y est, c'est bon, on est en discothèque. Toum, toum, Ouais, toum, toum. la discothèque le retour. Bon, mais si tout est bon. Bonjour à tous, ici Vincent Studio pour un stream de Neon Abyss. La dernière fois, on avait fait Arès et cette fois-ci, on va tenter Athéna. Accompagné de l'unique, le fameux, le fabuleux, le divin, le... Le poilu un peu, c'est vrai aussi. Jake. Arrête. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, au lieu de dire arrête, tu sais, comme le chat là, ça fait arrête. 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 Le pauvre chat. Le poilu, quoi. Bah, je sais pas, je savais plus quoi dire. Je veux bien, mais elle quand même. Elle vaut mieux dire poilu que l'imbécile. Ouais, ouais, le bon, divin, bon. Sérieusement. Ah bah, écoute. Chacun j'ai pas une auréole autour de la tête. Hein. Mais si, regarde, elle fait. L'été sous les bras, je veux bien, mais. Oh, bonjour. Non. Bonjour. Ici, Vincent. Bon, alors, pour que tout le monde soit d'accord avec ce qui se passe, nous devons tenter Athéna. Et pour avoir Athéna, il faut gagner la salle violette, c'est-à-dire la salle qu'on a quand on prend pas de dégâts et quand on paye les cristaux, qu'on paye les machins avec les cristaux pour éviter de prendre des dégâts. Voilà. Donc il va falloir spammer ouais. Ça pour, bah, pour avoir les trésors et voilà. Mais je on pense va préciser une chose, vu qu'on n'a pas trop de sponsors ni trop de faire de pub, on peut citer Dim, Tommy, Figure, Figure, Nostibom et compagnie. Voilà, cette blague est faite. Calvin Klein. Pierre Cardin. Kiabi. Chacun s'habille comme il peut. C'est le premier temps fort. On démarre en petite force, c'est bien. On apprécie. Est-ce que le niveau sonore est bon? Ouais, ouais. Est-ce que le beat est bon? Bah, vu qu'on parle de caleçon... Oh non, non, là par contre, non, on va voilà. Se striker. Donc... Bonjour Imravo sur le Team chat. Athéna. Team Athéna. Vu que... C'est passé juste pendant qu'on lançait, qu'on faisait les derniers rivages, je me permets de le remettre. Oui. Vas-y, remets. Voilà. Remets le Merci chat qui ronronne avec Imra pour mon follow. C'est Imra qui ronronne, voilà. Oui, parce que Imra aime ronronner, tout le monde. Après, je suis pas obligé de tout savoir, je ne connais pas très bien cette personne. Je ne sais pas, en fait. Que je sache tout non plus. Je n'en sais rien, peut-être qu'il n'aime pas. Oh là là, j'ai l'œil de Sauron, c'est la première fois qu'on a. D'accord. Un œil sans paupières. Il voit y a tout, pas de soucis, y compris vos désirs et vos peurs les plus intimes. Athéna, encore? Je viens de me rendre compte que mon chat est sur la gauche et non plus sur la droite, sur le gestionnaire de stream. C'est perturbant. Ah, moi, il est en plein milieu. Est-ce que tu veux que je le change ou... Et désolé, non, je toi, ne tu followerai rien. Pas toi, avant joues. La honte. Oh. Non, toi, tu joues. Toi, tu... Voilà. Oui, mais fin, si je dois changer le chat de côté parce qu'il est en plein milieu... Par contre, faudrait décaler la chatbot du stream, c'est au middle, tu vois. Ouais, mais c'est pas si gênant parce que quand tu regardes la plateforme la plus basse à chaque fois, il y a comme un interstice où le chat rentre quasiment parfaitement. Et à gauche, il y a des petits trucs qui s'affichent dans le jeu. Donc, voilà. Bon, d'accord. Bah, écoute, c'est lui le boss, donc moi je dis d'accord. Après, si vraiment vous y tenez... Non, c'est juste là, je viens de le voir, je me suis dit, oui, ça peut être peut-être... Comme vous voulez, je le répète encore, je ne suis pas très doué en visuel, graphique, moi, mon métier, c'est l'audio. Hein. Oui, moi aussi. Bon, attends, je bouge un peu, alors. J'ai juste à peine le... Merde, ça, c'est le jeu. Je suis nul à chier, je vais juste peut-être le baisser. Qui colle un peu avec le bas, ce qui sera oui. Mieux que de l'avoir en oui, plein oui. Écran. Non, là, ça sera beaucoup plus... Ouais, peut-être pas plus joli. Après, je peux le décaler... Oh là. Je peux le décaler au niveau de l'argent dans le jeu, mais... Prends l'argent. Rendez les 5 700... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Faut les donner. Un pourfendeur de démons. Tirez suffisamment d'ennemis et vous obtiendrez des cristaux. Tuez, pas tirer. Oula. Formation professionnelle. C'est vous qui voyez les jeunes.
Imra, aux dernières nouvelles, je crois que t'as le même âge que nous aux dernières nouvelles. Donc, oui. Il a ton âge. Ah. Ouais, donc il est bientôt vieux. C'est vraiment merde. Ah putain. Ouais, parce que là, ça commence à piquer. Me dire hein, super, je suis sur ma vingtaine. C'est pour longtemps, mais je suis sur ma vingtaine. Ouais. Tellement jeune, je m'aime. Oh, il faut des pièces pour faire la musique, me dites. Oui, voilà, j'ai déjà des cheveux blancs. Oh, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai trouvé un poil blanc dans ma barbe. Mais c'est tout. Je suis tellement content. Hein. J'ai gagné 50 gold gratos là, je viens de rêver ou. Allez, bon, on va faire de la musique. Ah, moi je me plains pas, pour l'instant je pense que j'en ai, mais je les trouve pas. Donc je suis très content. D'accord. Je me sens très beau, très. On va faire un peu de musique. Dans la barbe, oui. Après, moi ma barbe c'est un peu. J'ai de tout. J'ai du rouge, j'ai du blond, j'ai du vénitien. Quelle barbe. Ouais. Ah, le piano. Ouais, le fameux. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu... Ah, le piano. Arrête. Ça fait des ailes. J'ai rayon fatal. Oh, c'est quoi? Oh, c'est un sniper. Bon, on peut tenter. Ça peut être pas mal. Arrête. J'arrêtais là. Je déteste ça. C'était le premier, il était simple, ça va. Oui. Et j'ai une lampe torche aussi. On verra. Bon, par contre, j'ai fait un niveau, j'ai rien débloqué de la barre violette. Ça craint. Bon, par contre, il fait mal mon sniper. Piou. Voilà. Sniper. Piou. 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 Et j'ai gagné la technologie Wade, améliore votre arme, augmente votre cadence de tir. Est-ce que ça veut dire que... Oui, il charge plus vite. Tant mieux. Et en plus, le rayon a augmenté, j'ai l'impression. C'est exactement tout ce que je voulais. En tout cas, une découverte, ce jeu, je ne connaissais pas. Eh bien, c'est la première fois que tu le regardes. Je vais attendre au moins 10 secondes avant qu'il réponde. Et je sais pas pourquoi ma voix est partie si haut dans les aigus, même si c'était une question. C'est pour que tu... Le mec il s'énerve. Ok, alors. Tu le fais ou je le fais? Pour lui expliquer. De quoi? De quoi le jeu? Oui. Vu qu'il apparemment bah c'est la première fois qu'il le voit. Ah non, je l'ai pas dit. D'accord. Bon, alors au pire, il y a les replays. Déjà, il y a les replays sur Ivasan Studio sur YouTube. Voilà. Non, sinon pour t'expliquer rapidement, en fait c'est un rogue. Isaac. En fait, ouais. Ce qu'on avait dit, c'était un mélange de Dead Cells, de Isaac et de... Je sais pas. Enter the Gungeon. Voilà, Enter the Gungeon. Ce qui fait que, bon, bah, c'est un rogue, j'ai envie de dire, très classique. Même si... Oui, c'est un rogue, pas un... Oui, pardon, j'ai bugué. Donc oui, c'est un rogue, et le but du jeu, ben, voilà, c'est de... d'avancer dans les niveaux, tuer les boss à la fin des niveaux, et... Putain, j'ai des micros, là. Truc, là. Bon, bref, c'est pas... De toute façon, sur ce boss, j'ai toujours eu des soucis. De vidéo. Et merde. Et donc, bon, bah, j'ai une arme, j'ai des power-up, et là, mon but pour cette run-là, c'est de faire monter la... Merde, c'est vrai qu'il est pas fini, putain. Bon, mon arme est bien, mais elle fait pas de dégâts pour l'instant. Et donc là, mon but pour cette run, c'est de débloquer un nouveau boss. Et pour le débloquer, il faut que je fasse monter la petite barre violette que j'ai tout en bas de l'écran à droite. Et cette barre violette, pour la faire augmenter, il faut que je ne prenne pas de dégâts, si possible. Et en plus de ça, il faut que je puisse payer tous mes trucs en cristaux.
Je te montrerai à ce moment-là, je te dirai coucou, c'est ça qu'il faut que je paye en cristaux. C'est, j'ai des cristaux là, et ça peut me servir de ressource pour ouvrir certaines portes, certains juste des petits blocs qui pourront m'aider à faire monter cette barre violette. Mais là, quand même, j'arrive au niveau 2, j'ai rien de monté, c'est bizarre. Hein. J'ai dû prendre trop de dégâts sur le début. Donc la musique est cool. Genre vraiment très cool. Et si tu ne le savais pas, c'est par ceux qui ont fait. Ah putain, je vais essayer, mais j'ai peur de rater. C'est quoi pour la C'est grenade? Indy. C'est G? Non, c'est F. Et j'ai raté. Tant pis. Donc là, le coffre, je pouvais l'ouvrir avec des cristaux. Mais si je le touche, ça. Ah putain, et ça a fait monter ma. Ah, c'était nul, hein. Bon. Ah, j'ai bien merdé. Donc, ceux qui ont fait le jeu, c'est Team 17. Ceux qui ont fait Worms. Pour l'époque, hein, j'ai envie de dire, c'est. J'ai été connu pas forcément que grâce à ça, mais c'est ce qui peut parler à plus de monde, je pense. Ah, voilà. Un autre truc que je peux payer avec un cristal, voilà, pour un exemple. Soit je le touche avec une arme, il devient rouge comme le coffre tout à l'heure, et ça fait monter ma barre rouge. Sauf que c'est pas du tout ce que je veux, moi je veux que ma barre soit violette. Donc voilà, j'ai payé avec un cristal pour faire monter la barre violette. Et quand ma barre violette sera à fond, ben, tu verras ce qui se passera sur le jeu vidéo. Bon, on va dire j'ai un petit niveau sur ce jeu, hein, à force d'y jouer en stream. Je suis pas le meilleur bonhomme du monde, mais j'essaye. Hop. Non, mais j'ai le grip sous. Ah, j'ai la clé infinie, cela dit. Bon, ça c'est bien par contre. Donc là j'ai Donald Trump. Donald Trump, son truc c'est que il ramasse l'or à ma place pour me filer 2-3 cadeaux. Quand il en a envie, évidemment. Ça c'est autre chose. Est-ce que je change d'arme? On verra à la fin du niveau. Parce que si je retrouve du piano, je vais le faire. Hop là, c'est mon argent, Donald. Moi je te dis, c'est Donald, mais il a pas les cheveux orange. Hein. Ils ont peut-être pas eu les droits ou. Vous voulez pas avoir de problème. Hein. En parlant de Donald, il me tarde que le jeu Kingdom. Mais tout à l'heure, j'ai regardé MVI jouer. Il faisait la démo aussi. C'était quand? Il n'y a pas si longtemps. Avant le The Rang. Et ça m'a fait rire parce que il a découvert un truc que je n'avais pas découvert sur la démo. Pour augmenter la difficulté. Ah bon? Genre pas forcément la difficulté expert, c'est un mode de jeu. C'est à soi le classique comme tu l'as fait j'imagine quand tu l'as testé la démo. Il y a apparemment un seul bouton, genre tu fais tout avec un seul bouton, c'est-à-dire je pense sauter avec un bouton, triangle avec le même bouton, enfin c'est genre t'appuies sur croix, tu fais tout. D'accord. Soit t'as un mode virtuose, ce qui rajoute des actions en plus, mais qui ne sont pas pénalisables si tu les plantes. Oui, j'ai vu ça, oui, en Eh ben moi effet. je l'avais pas vu. Donc je pense que je vais rallumer la démo et je le ferai plus tard. J'ai Mais les au moins, grenades. l'intérêt quand même, parce qu'il y a quand même un intérêt à cache Melody machin là. Oui. C'est que il te propose le jeu, l'histoire et vraiment plusieurs niveaux de difficulté adaptés à chaque type de joueur. Ouais. Et ça, je trouve ça super cool. Mais c'est, je te dis, ça reprend énormément ce qu'ils ont fait avec Final Fantasy VII Rising. Il y avait du facile, il y avait du moyen et du difficile. C'était abordable pour tout le monde. Il y avait zéro histoire par contre dans ce jeu. C'était vraiment un jeu de rythme pour un jeu de rythme avec les musiques de Final Fantasy. Point. Là, c'est un peu ce qui me dérange avec KH. Bon, évidemment, moi je vais le faire, ça me dérange pas. Je suis un fan de la série, enfin, je vais y retrouver mon compte et plus qu'un peu. Et ça mélange les jeux de rythme, j'aime ça, et ça mélange KH, merde. Une série que j'aime. Donc là, sur le coup, moi j'ai rien à dire. Mais pour ceux qui détestent les jeux de rythme, je pense que ça peut être une plaie, quoi. Parce que Ah ouais. l'histoire est importante. Et c'est ce qui C'est peut me gêner. vraiment un parti pris qu'ils ont fait, Oui. assez surprenant, mais intéressant quand même. Oui, bon, c'est vrai que ça peut diviser, mais. Et Enfin, ouais. pourquoi pas en vrai, Ah hein. oui, non, mais pourquoi pas, ça je suis d'accord. De toute façon, Mais juste parce que, enfin, bon, les jeux cas, je vois à peu près avec ce qu'on a déjà fait, enfin que je t'ai vu faire Oui. en off plusieurs fois.
quand on s'est vu. Mais de jeu de rythme cash, il y en a déjà eu ou c'est vraiment non, le premier? C'est le premier. C'est le D'accord, premier okay. Et même à l'époque où il y avait donc le jeu Final Fantasy sur DS, il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient mettre des musiques de Kingdom Hearts. Et ça avait été démenti, ben je pense, parce qu'ils préparaient ce jeu-là. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas comment le mettre, ou alors ils savaient à l'époque quand est-ce qu'ils voulaient le mettre en place, c'est-à-dire après le 3, parce que dans l'histoire, ben c'est beaucoup, ça colle beaucoup plus. C'est sachant qu'à la fin du 3, 0, ah non, je peux pas le dire, s'il y en a qui l'ont pas fait, je sais pas. Bon bref, le scénario peut justifier un jeu de musique. Mm. Sans en dire plus, ça peut le justifier. Bon, ça sera encore, j'imagine, un peu tiré par les cheveux parce que ça reste du Kingdom Hearts. Il a envie que son scénar soit un peu compliqué. C'est pas grave, hein, j'accepte. Voilà. Par contre, je vais regarder un peu les objets parce que depuis tout à l'heure, j'en ramasse plein, mais je les regarde pas. Ajoute un réceptacle de cœur, augmente vos dégâts. La lumière apporte de la chaleur, vous obtenez une salle au trésor supplémentaire à chaque nouveau niveau. Ça, c'est cool. Vous êtes au sommet de votre arme, améliore votre arme, augmente légèrement la hauteur de votre saut. Plus vous avez de pièces, plus votre arme inflige de dégâts. Bon, ben ça, on va garder l'argent. Une fois mort, ajoute des balles supplémentaires par tir et augmente la vitesse des balles. C'est bien ça. Et ça, c'est l'explosion laisse une traînée de flammes. Bon, c'est que si j'utilise. J'ai une question. Tu as vu comment j'ai nommé le stream, en fait, ou pas? Athéna, je l'ai vu parce que j'ai pris le. Comment ça s'appelle? J'ai pris le chat de fenêtré. Ok, alors je l'ai nommé Chouette, on va voir Athéna, mais oui. Est-ce que t'as la ref? Oui, c'est les chevaliers du zodiaque, hein. Oui, mais pas seulement. Ça va plus loin que ça, et du coup, si Imra est sur le chat, est-ce que il a la référence aussi ou pas à voir? C'est juste une référence mythologique. La Chouette, c'était le symbole et l'animal de Athéna. J'avais complètement oublié, ouais. C'est pas quelque chose qu'on... Oh, le truc de Samus. J'ai envie de prendre celui-là. Il a l'air bien. Je peux tirer plusieurs fois ou... Mm. Oula, il est pas ouf. Pas trop dégâts. Si, je sais pas, j'arrive pas à... Ouais, ben après ils tirent plein de boules mais elles sont pas fortes. Bon, on va peut-être reprendre l'autre. Comme ça moi je serai plus précis et je ferai peut-être plus attention. Parce que j'ai pas beaucoup de boucliers, bon la vie ça va, mais j'aimerais avoir cette salle violette là. Oh la barre. Je te laisse chercher ça, vraiment je m'en occupe absolument pas. Et de la déesse grecque. De quoi tu me laisses quoi? J'ai pas chercher l'accès à la salle. Ah mais je le connais, c'est juste qu'il. C'est bon, mais ta barre n'est pas foutue. Ah, c'est bon, il y avait un cristal, j'ai foncé dessus, quitte à perdre de la vie, je m'en fous. C'est quoi ça? Une capuche sinistre. Chaque fois qu'un ennemi est tué dans cette salle, vos dégâts d'armes augmentent. Mais je deviens de plus en plus fort. Oh, merci pour le shield, Donald. Ça fait plaisir. Bon, ça y est, la barre est pleine. Donc, pour vous montrer ce qu'il faut faire, c'est comme avec Ares, c'est-à-dire accéder à la salle secrète de trésor. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais prendre un trésor et voir si j'ai le jeton ou pas. Sauf qu'avant, il va falloir apprendre l'anglais. Ah, donc c'est mon moment. J'ai la divinité et j'ai une puce prophétique. Alors, c'est des items. Hein. Donc, divinity. Divinity, c'est l'espèce de trinité, là. C'est un triangle, ouais. Ouais, je l'ai. Your soul swells and you feel your feet lift off the ground. Gain the ability of flight and increase your movement speed. Donc je peux voler, très bien. Et la puce et, prophétique. Comment ça s'appelle? Prophète chip. C'est ça? Ouais, okay. C'est ça. Kill in-house enemies and you will drop extra shields. Ah, soit je vole, soit je tue des monstres et je gagne des shields. Hum. Mm. Bon, on prend les shields. Attention, est-ce que j'ai le truc? Ah, j'ai pas le truc, apparemment. Bon. Tant pis. J'espère que ça sera... Mais Athéna, faut que tu battes certains boss, quand même, avant d'y avoir accès, non? Oui, mais il faut d'abord le jeton, comme Arès. D'accord. Enfin, j'imagine. J'imagine.
Skermi. Hop. Ça c'est fait. Ah, faudrait qu'ils prennent les coffres, ce con. Allez, va prendre l'argent. Voilà, prends l'argent. Tellement de clés par contre, ça c'est cool. Oh, et des shields. Oh, bon, c'était complètement worse ce que j'ai fait. En plus, j'ai mon truc qui dit que plus j'ai d'argent, plus je fais de dégâts. C'est très bien. Je me sens bien si je marche pas dans les pics. Putain, Mickaël, c'est pas grave. Je viens de voir l'autre message de Imra. Et j'avais envie de dire oui, comme la salade, mais. Ah, c'est un peu trop tard. Ouais. Je l'ai vu quand même. Tant mais ouais. Moi. Fais pas ta tête. Fais ta. Moi ça me va. Les idiots. Vision nocturne, tire une balle spéciale tous les 10 coups. Ouais, enfin, vu que je fais ça. Bon, on verra. Waouh. Une pièce de bronze. Nice. Un gold. Aïe aïe aïe. Je suis en train de voir des choses, mais après Athéna, pour le moment, y'a rien d'autre. Ouais, pour l'instant, y'a rien d'autre. Donc. Je peux finir, on va dire, Neon Abyss pour le moment. Voilà, sur la pour chaîne. Le moment. Voilà. Il y aura des contenus plus tard. C'est ça. Peut-être aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Enfin, faut que je trouve le jeton Athéna, quoi. Espérons que ça se passe bien et. Ouais. Et puis on pourra changer de jeu. Je sais pas ce qu'on fera, mais on. Oh, Hadès. Pour rester dans la mythologie. Ouais. Par contre, il m'appartient pas. Comme ça. Pour l'instant, il m'appartient pas. Sachant qu'il y a un truc qu'il faut faire entre temps, en un stream. Ah oui, journée. Ouais. J'avais oublié. Ouais, ben, faut que ça fonctionne, quoi. c'est pas le problème. Faut que je le fasse, ouais. Tu as raison. Et merde, j'ai loupé la plateforme. Quelle est blessée. C'était nul, bon. C'est nul. Ah oui, mais ça c'était bien ça. De souvenir. Météore, non? Ouais, c'était très bien, Météore. On va le garder. Enfin, on va voir comment ça se passe sur ce boss, cela dit. Parce que bon. Allez, on va voir ce que ça donne sur Charlie. Ouais, non, ça se passe bien. Ouais. Au revoir Charlie. Oh, mes dégâts. Mes losanges sont tellement gros. Eh ben, on va rester avec ça et puis on va gagner le jeu. C'est pas facile de viser quand on est aveugle. Augmente vos dégâts d'armes. Et allez, en plus. Allez, chef. Bon, j'arrive au niveau 4. J'ai pas le jeton. J'ai pas envie de faire une run dans le vide. Parce que j'y gagne rien. C'est ça qui est pénible. À part le prestige, évidemment. Je me souviens plus, on en avait parlé la dernière fois, mais vraiment, il faut vraiment avoir un jeton spécifique comme. Ah, je pense, oui. Ça, on n'avait pas regardé, mais. Je pense que c'est ça. Piu 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 piu. Nice. Oh, j'ai un caca vert. Une crotte moutarde. Quoi? Quoi? C'est quoi? Les œufs peuvent infliger des dégâts aux ennemis qui les touchent. D'accord. Je vois pas le rapport avec un caca, mais. C'est pas grave. J'accepte, on va dire. Parce que quand quelqu'un vous embête, à un moment donné, il faut accepter. Donc j'accepte. Mais là, ça va être. Enfin, ça va être plié. Pas forcément, mais je fais de bonnes choses. Les losanges sont tellement gros. D'accord, ouais. C'est pas. Vrai, ouais. En fait, mais oui, si, bien sûr. Ouais. Quand même. Hop là. Elle est losange. J'ai un monstre marin. Est-ce qu'il cherche Nemo? Non, tu l'as pas. Je cherche Nemo, le monstre marin. Oui.
Non, c'est juste le monstre c'est marin. C'est une référence du Nemo ou c'est autre chose? Bah, le père de Nemo, il s'appelle Marin. Ah. C'est pas grave. D'accord. C'était... Je préférais la référence du Verne. Qu'Athéna, mais... J'ai pris tellement de dégâts sur ces boules de pique, quel enfer. Je les aime pas. Là là. Il y a du shield. Oh, du shield, il se fait tirer. Merci Mara pour ton retour. D'accord. C'est par rapport à ce que j'ai mis sur le gros pavé. Sur peut-être le livre, et tu as eu raison. Je remercie au passage aussi Picard chez Midir Studio qui a fait la même chose. Bravo, merci, je suis content du coup. Non mais t'as eu tellement raison. Faut arrêter la diabolisation des jeux vidéo quoi. Faut arrêter. Faut arrêter parce qu'il y a de très très belles choses qui se font grâce à ça. Donc, faut arrêter de dire que c'est pour les enfants. Faut arrêter de dire que c'est pour les... Excusez-moi du mot, hein, mais c'est souvent ce qu'on entend, les attardés et tout ça. Faut arrêter. Ça peut être une passion comme une autre. Il y en a qui aiment coudre. Moi, j'aime pas coudre. Est-ce que je dis que les gens qui cousent, ce sont des attardés? Non. J'ai un contact. Qui coud? Il est adorable. Il a 26 ans. J'arrête. Il est... bon, il fait de la mise en rayon et il aime bien le jeu vidéo. Il aime beaucoup les plantes. Et ouais. Pour se détendre, c'est quelqu'un qui est très, très speed, très énergique. Oui. Et ce mec... Il fait du tricot pour se détendre. Bah, y en a qui font du coloriage. Du tricot et du crochet. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est chacun son truc. Hein. Mmh. C'est chacun son envie et puis chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Du coup, si jamais Cédric, si tu m'entends, c'est une pensée pour toi. Voilà. Bonsoir à Cédric. Bonjour, Vuller. Bonjour Cédric, fais-lui une écharpe, je pense qu'il sera ravi. Voilà. Pour de vrai, oui. C'est toujours utile, une écharpe. Soyons honnêtes. Non, mais bon, ça m'énerve, ce genre de choses. Genre, tout le monde se permet de critiquer tout et n'importe quoi, mais si par exemple, voilà, j'ai pris l'exemple du tricot. Si les gens veulent faire du tricot, ils font du tricot. Moi, j'ai plus d'argent. Parce que j'ai tout dépensé pour acheter une arme et ma crinière de lion. Merde. Tant pis. J'aime beaucoup ta crinière de lion avec ton petit... Mon petit caca sur la tête, ouais, c'est pas mal. Voilà, ouais. C'est... Bon, je vais me taire. C'est ah, non, conceptuel. Vas-y, dis-le. C'est conceptuel. Mais t'es dessus ou pas? Je sais pas. De quoi je suis dessus ou pas? Le piano. Non, bah non. Ah. Mais j'ai pas d'argent. J'ai tout dépensé comme un idiot. Hunt, le dieu de la course. T'as assez rare qu'on l'ait celui-là, par contre. Ouais. Ah, le brocoli! Ajoute un réceptacle de cœur. Très bien. Bon, niveau 5, on n'a pas eu la deuxième barre. Ça craint. Hein, je trouve. Je pense qu'au maximum, tu peux aller en faire 2-3 par run. Des pièces violettes. C'est pas évident. Oh, un gâteau à la myrtille! Oh, ben, gâteau aux myrtilles. Vous laissez tomber des boucliers supplémentaires si un œuf vide éclos. Oh, ben. C'est la reine du bouclier, j'ai envie de dire. Ah, c'est la reine du bouclier et du cœur. Ah. Parce que tous les cœurs que j'ai là. C'est encore une run trop simple. Oh là là. La 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 la. La 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 la. Immense. Bon, ben. Vas-y, je vais la chercher quand même, la grenade. Ça va être utile. Et puis prends garde. Ouais. Sous le boob, la grenade. Mourez, mourez. Atterrissez. Pouf. Ah, des œufs, il faut qu'ils soient vides comme ça. Moi, j'aurais des shields. Et j'ai bientôt la salle secrète, cela dit. Fais là. Le trésor d'Athéna. Voilà. Oh ben merde. Oui, bon. C'est vrai qu'il peut faire ça, lui.
même si on ne les donne pas. On aurait pu me filer des cadeaux. On aime les cadeaux. Cadeaux gagnés. Ah, une capuche, un masque de kendo. Vous avez une chance de bloquer les dégâts de mêlée des ennemis. Pourquoi pas. Un bébé cacti. Pardon, j'ai eu le hockey. On dirait pas. J'ai eu la salle. Jean. Zéro positif. Évidemment. Allez, on va à la salle, on prie qu'on ait Athéna et puis on finit le jeu. On fait ça ? Allez. Allez, eh ben je vais prendre la pomme. Mais j'ai pas eu. Oh. Merde. Je suis très déçu de ce jeu vidéo présenté par Gamers Baby. Voilà. Très déçu. Non, je vais pas prendre d'armes. Je vais arrêter de dépenser mon argent parce que l'argent c'est les dégâts. Oh, mince, j'ai pris un dégât. Faut pas. Oh non, mais ma barre rouge elle a monté. Oh, diantre. Flûte. Baguette. J'ai tellement de zombies par contre. J'ai 20 000 sorts zombies. Je me croirais dans Minecraft. Soit dit en passant, Steve sur Smash est très drôle. Je l'ai pas encore testé, j'ai fait le. Ah, il est très très drôle. Il est très 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 particulier, mais il est drôle. Je pense que t'as des capacités de trucs pour vraiment rigoler avec. Enfin, moi ça, j'aime bien. Ah, c'est le. Oh non! C'est le badge du voyou qui me fait sauter et aller plus vite si je ramasse plein de trucs. Peut faire peur d'ailleurs. Hop là. Donnez-moi les shields. Les pommes de terre et les carottes. Qu'est-ce qu'elle était nulle cette pub. L'insigne de la marine. Vous avez tout donné pour ça. D'accord. C'est vrai que je voulais devenir un marin. Chercher Nemo. Non, mais je me suis fait toucher, mais je veux pas un res. Le mec, elle est énervée. Vilain chat, vilain. Pourquoi je vais là? C'est pas là que je vais aller. C'est en dessous. Allez, c'est parti pour le premier vrai boss, hein, Argo. Le dieu du Darknet qui risque d'imploser. Comment je vais lui faire mal. Où sont les yeux. Allez, meurs, hein, Argos. Ah là là là. Il m'a surpris. Mais il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, le plateau de Go. Le souvenir, c'est très fort, le plateau de Go. On aime le plateau de Go. Ah, bon. Oula, la carte, qu'est-ce que c'est que ce beans. On va commencer par aller vers le bas. Hein. Il faut trouver. Bon, mais super, j'ai encore pris un dégât. Il faut pas que je prenne de dégâts. Je veux arriver à mes fins. Et en même temps, de celle du jeu pour le moment. J'ai oublié de prendre ça. Pipi pipi pio. Mourrez. Mourrez. Aïe aïe aïe. Parce que là, pour faire retransformer la rouge en violet, ça va être chaud. Ça va être trop mal. Que je sois meilleur. Bébé fantôme. C'est le bébé qui pleure. C'est Isaac. Hop là. Oula.
Bon, j'en ai pas vu. C'est particulier ce saut augmenté à cause de l'insigne. Ah! Il faut vraiment pas que je touche ça. Bon bah attends, dans ce cas-là, tant pis, j'utilise une clé. Et hop, voilà. On fait baisser la jauge rouge. Il y a du piano, mais j'ai pas d'argent. La salle secrète. Je viens de terminer d'écrire mon introduction du stream de demain soir. Ah! Hola a todos. Non. Je déconne. Non. Stream... d'éducation populaire autour du débat de l'argumentation sur Among Us. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Mais non, mais je veux pas aller là. Je suis bête. Mes chers compatriotes, bonsoir. Ah. Arrête, tu vas me faire envie de recommencer d'écrire. Pourquoi pas? Non, je viens de terminer. Je viens de fermer mon fichier. Ce n'est jamais fini l'écriture, tu le sais très bien. Je sais bien. Surtout toi qui as écrit beaucoup. Ouais. J'ai encore sauté d'un jour, je sortirai un livre. Eh ben, tu sais quoi? Je serai le dernier à l'acheter. Tu t'y seras offert. Oh. Eh ben, il finira dans la cheminée. Eh ben, au moins, il te tiendra chaud, voilà. T'as réponse à tout, en fait. Oui. Je suis très déçu. Par contre, vous attendez pas à ce que ça sorte demain. On se donne rendez-vous dans 10 ans, même heure, même pomme, tout ça. Oh là là, mais... Mon personnage, il est cassé. Ça pourrait faire une parodie. Ça serait plus Patrick Bruel, mais Patrick Brûlé. Patrick Brûlé, comme la crème. Ouais. Voilà. Exactement. Je sais pas pourquoi. Cette blague non plus, je l'assume pas en fait. Oh, tu sais, entre tout ce qu'on assume plus. Bah, mon âge déjà. Oh, faut arrêter. Malheureusement, on est comme on est. On est NAIT. Je me fatigue tout seul. Mais punaise! Je suis nul à chier avec mes grenades aujourd'hui. Oh, y'a un piou piou. Bon, je peux pas prendre le piou piou. Bon, je voulais le piou piou. Alors, on se TP. Aïe. Super, un cas gratuit. C'est une musique. Je ne l'ai pas, Imra. C'est quoi exactement? Je vais chercher d'ici là, mais si tu veux répondre. Oh, on est comme on est, j'ai envie de dire. C'est quasiment dans toutes les musiques de variété française où c'est une ado de 17 ans qui chante. À base de yay yay yay. Alors j'ai une chanson de Ridan là sous les yeux, une citation de Pollux. Pollux. Ouais. Donc ce serait Ridan. D'accord. Donc il n'a pas fait que Heureux comme Ulysse. Il a fait un bon voyage. Il a fait d'autres choses, je sais pas. C'était vieux ça, hein, fou. J'aimais beaucoup cette chanson et surtout le. Du coup, je me mets la musique dans les oreilles que vous n'aviez pas. C'est une question de droit. Ah, bah oui. Après, tu peux la chanter. Je sais pas si les gens seront d'accord. Mais... Genre. Papi le papa, t'as la pote au. Je fais ça. Et c'est le pétard. C'est la bombe de table. Mais j'arrive pas. Et je n'arrive plus à bouger ma barre. Par contre, c'est. J'y arrive pas. J'ai envie de dire tant pis. Bien vu, Imra, c'est vrai, tu as totalement raison. En fait, je pensais à la chanson Full Sentimental, c'est vrai. Le sentimental. Ça, c'est vraiment de notre époque. Hein. Putain, ça pique. J'aime beaucoup Full Sentimental. Ah oui, oui. J'en avais une préférée de ce genre, je sais plus laquelle c'est. Ouais, il a fait de beaux textes. Ouais, mais j'en avais vraiment une qui me plaisait énormément et je sais plus laquelle c'était.
crois que c'est Chante un baiser. Non. Chante un baiser, elle est bien. Ouais. Elle est même très belle. Le fameux Alain Zujag. On est sur Al. Et on n'a toujours pas le cadeau violet. La barre violette qui part en cacahuète. Je vais dire autre chose d'osé. Hop. Bon là, je roule un peu sur le jeu sans doute. Genre j'ai vu Météor, j'ai fait c'est maintenant. Pas me faire toucher, mais j'ai pas non plus beaucoup de d'objets où je peux payer en cristaux, cela dit, sur cette run. Oh merde, j'ai tué toutes mes soeurs zombies, quel idiot. Allez, je continue. En même temps, elles sont un peu con, c'est pas grave. Hop là, et on part là-bas. Allez, hop, on se casse. Mais j'ai un micro-blood, je sais pas si j'ai des trucs. On dirait pas. On dirait que de toute façon ma barre a bugué. Ma barre de bouclier et de cœur, je pense qu'elle va bugger aussi à un moment donné. Enfin, beaucoup trop de cœur. La mini momie, pas si mauvaise. Mince, il y a des espèces de... Oh non, Donald Trump est mort. On a laissé tout son pactole. Sauf que comme je ramasse des trucs, je vais très vite et j'ai du mal à ramasser. Oh, punaise. Mais quel enfer. Je peux pas prendre de bouclier, j'en ai trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je savais pas qu'on pouvait cap. Ah, il y avait un coffre dans un coffre dans un coffre. C'est vraiment mon activité préférée, ça. Le coffre dans le coffre dans le coffre. Et c'est la cible. On dirait un frisbee. Qui se souvient au collège qui faisait de l'ultimate? De l'ultimate? Oui, c'est le sport du frisbee, ça s'appelait l'ultimate. D'accord, non, non, moi j'ai pas fait ça. Moi j'en ai fait. Alors, en même temps, je pense mais l'anecdote s'arrête là. Hein. Sinon, vous risquez de dire oh le pauvre. J'ai pas aimé mes années collège. Il y avait des gens très bien, il y avait des gens pas bien du tout. Donc je n'ai pas aimé mes années collège. C'est rare que les gens aient aimé leurs années collège, cela dit. Non, mais je pense, enfin, on n'était pas dans le même collège parce qu'on s'est connus après, mais je pense la même chose de toute façon. Mais arrêtons-nous là! Ouais, ouais. Menteur. Oh non, c'est le bois qui est merveilleux. Oui, c'est vrai. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Vite. Tu devais l'arrêter. J'ai bien baissé la barre. Je suis content. Il y a un truc qui a explosé dans mon appart, je crois. Là, je suis tombé dessus. Mais il veut me la filer la Salares en fait. Ah, vas-y, je vais me prendre un dégât, voilà. Oh non, des dégâts. Oh non. Ah, j'avais bien réussi à la faire baisser, là d'un coup ça a remonté. Allez, faites-moi un dégât là. Voilà. Vous voulez me la filer la Salares, vous allez me la donner. Et puis on va repartir sur une nouvelle barre. Et eux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça?
une sucette Saturne. Plus vous avez deux, plus vous tirez vite. C'est la première fois qu'on a ça. Je l'ai dit. Oh, oui, je vais pas pouvoir prendre de dégâts. Ah si, je peux. Mais... est-ce que je veux le faire? Ouais. Très bien. Attention. Ça va pas fonctionner. Et si je me lance une bombe dessus? Ça fonctionne pas non plus. Bon, ça faut que ça soit un dégât... Je relève un truc sur le jeu, je le relève que maintenant, ça me choque. Enfin, ça me choque, ça me surprend. Il y a pas mal dans le port grec, on s'approche d'Athéna, ça veut dire, il me semble pas n'avoir vu autant de par rapport aux autres streams. J'ai pas compris ce que tu voulais dire là. Tu me dis quand t'as fini. C'est bon, vas-y. Ok, d'accord. Je disais, là ça me marque vraiment, j'ai pas fait plus attention que ça au stream d'avant. Oui. Avec un S. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amphores grecques vraiment en décor où tu peux les casser, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Oui, il y en a. C'est signe qu'on s'approche d'Athéna ou... Non, c'est ça y était aussi avant. Il était avant, d'accord. Ouais, ouais. Allez, on monte la barre violette avant de... d'aller sur Zeus. C'est maintenant ou jamais en fait. J'ai envie de dire. C'est si je l'ai, c'est maintenant, comme ça au moins je fais Zeus, et après je fais Athéna et je suis heureux. Mais bon, faut trouver de quoi monter la barre violette quoi. Et malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, je trouve. Voilà. J'adore parler, c'est vraiment... Ouais, je vois ça. C'est t'as une éloquence qui m'impressionne, hein, franchement. C'est vraiment... mon activité préférée dans laquelle j'excelle le plus, quoi. Ouais, ouais, t'as un talent, mais... ça doit être de naissance, je pense. Ah oui, je fais un brouillon, je vous rappelle. Bon, ça monte là petit à petit, j'ai envie d'y croire. J'ai pas envie de me retrouver avec un pixel de violet en moins là. C'est j'y crois. Je veux ma salle. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Je vais le dire. Putain. Non, pardon. Tu l'as fait non, avant mais... moi. Mais putain. Pardon. J'allais pas dire à mort, mais j'allais dire encore, tu vois. C'était complètement... Bah oui, mais... C'était complètement là. Ah non, mais on est vraiment... sur les vieilles musiques à chaque fois. Oh non, j'ai pris un dégât. Ça compte pas, bah ouais. Désolé, Imra. Vraiment désolé pour tes oreilles. Ah, c'est cette chanson. Désolé. Oui, on a... Enfin... Non, t'as dû le voir avec Jacques, mais on a... une culture de musique un peu particulière, je vais dire. Dès qu'on dit une phrase, que ça colle, bah de suite ça fait ça, tu vois. On est connecté. J'irai pas jusque là. D'accord. On n'est pas trop connecté, mais un peu quand même. Voilà, c'est c'est la 3G, pas la 4G, si tu préfères. Ça vaut bien Twitch Sync, tout ça. Imra, mais... Oh, merde. Alors, il faut expliquer. C'était sur un stream d'Imra en fin de semaine dernière. Ouais. J'aime bien le regarder et du coup je l'embête un peu sur son chat. Ouais. Et on parlait, et il chantonnait et du coup j'ai fait prête-moi à penser de ne pas aller en karaoké avec Imra. Voilà. Je dirais pas plus loin. C'est ça quoi. Et du coup il commençait à parler de Twitch Sing et à me défier dessus et quand on me défie je peux pas trop me défiler et du coup il va falloir avant que ça ferme Twitch Sing parce que ça va fermer, il va falloir faire un stream comment dire caritatif. Enfin, non pas caritatif mais il me reste en stream ou moi je ferai un stream, voilà. Il y aura, je pense pas qu'il y a de replay parce que j'ai pas envie de garder des dossiers comme ça. Allez. mais bon voilà, il y a pas de DAS, mais il y a un Twitch Things de prévu à un moment donné parce qu'il m'a défié. Non. Et voilà. Mais je ne sais pas comment mettre ça en place du tout. J'ai jamais touché à ça, donc voilà. Ah, c'est trop bien. Imra, je te déteste. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est du génie. C'est tout. Y a rien à dire d'autre. C'est du génie. Et j'aurai pas ma salle.
Punaise! Bon, bah allez, on finit la run et on en redémarre une. Parce que t'as mauvaise porte et... Bah non, c'est juste que j'ai pas la violette à fond et puis... Oh merde, et puis je marche partout, enfin... Je marche pas là où il faut et... Non, j'ai pas eu ma barre violette. C'est juste pour le plaisir, en vrai, s'éclater entre potes. Oula. Oui, 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 non, mais bien sûr, il marche. Moi, j'appelle ça de la torture. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais attends, mais après une dose, tu la redémarres pas, ta run, elle poursuit. Bah non, elle poursuit pas. Ah bon ? Elle poursuit pas parce que j'ai pas le jeton Athéna. Voilà, Athéna, c'est quand la véritable sagesse est dissimulée, l'humanité se complaît dans l'illusion et il perd son âme. Le jeton de l'illusion que vous trouverez dans son temple vous guidera oui, jusqu'à elle. Voilà. Donc il faut vraiment que ça fasse comme avec la caresse. D'accord. Donc c'est pénible. La torture, ce sera pour les spectateurs, pas pour nous, donc est-ce grave? Non, pas du tout. Alors, j'aime bien rigoler de moi-même sur beaucoup de choses, mais à un moment donné, faut grandir. Oh putain, non. Pardon, là, c'est non. Des références là, un peu privées. Non, là non, c'est... Là, je te méprise de tout mon âme, enfin c'est... Allez-y, c'est... méprisez-moi, jetez-moi votre mépris, j'adore ça. Non. Merci de nous avoir suivis. Ah mais attends, c'est mon moment, pardon. Mais oui, je t'attends moi. Excusez-moi, oui, alors, comme entre deux tries, deux runs de Neon Abyss, voilà, il faut que je m'adresse à la communauté internationale, c'est hyper important. Donc, on a déjà parlé aux Espagnols, aux Portugais et aux Anglais, pourquoi tu rigoles? Parce que ça me fait rire d'avance. D'accord, très bien. Et voilà, j'ai quelques origines que tout le monde mais ne non. sait pas, mais auxquelles je tiens, et, notamment italienne. Du coup, je vais m'adresser aujourd'hui à l'Italie. Voilà. Bon, ça va être clippé encore. Oui. Ciao a tutti, grazie per averci guardato ed essere nel nostro streaming. Siamo una piccola associazione. E contiamo su di voi per farci conoscere e crescere insieme nei valori del rispetto, della tolleranza e dell'apertura verso gli altri. Puoi sostenersi donando su Hello Asso, il link è nella descrizione. Spero che tu ti diverta con noi. J'ai un peu de mal et je pense que il regardera pas, mais on a un ancien pote en commun du lycée qui parlait couramment italien. Je pense que tu vois qui c'est. Je pense que s'il entend ça, il me torture sur place. Je pense qu'il peut te buter. Voilà, mais je l'embrasse quand même. J'avoue, t'as eu un peu plus de mal que les autres, mais il y a de l'effort. Hein. Enfin, c'est pas facile l'italien, hein. Vraiment pas. Hein. Il paraît, ouais. C'est vrai que c'est dur. Bon, alors, là, pour la prochaine fois, quelle langue? Ok, super, ce sera des lasagnes pour moi et un tiramisu en dessert. Ça va, sinon, le racisme? Non, on en est où, là, au niveau de racisme? C'est quoi ce mais c'est pas du racisme, c'est de la gastronomie. Ah, non, c'est du cliché, pardon. Français, baguette béret, lol. Voilà. Je déteste ce genre de choses. Mon béret est derrière, il est à côté. Je déteste ton béret et ta casquette. Arrête, elle a toute une histoire. Déteste. Elle a toute une histoire. Elle est moche. Je m'en fous, elle a plus de 80 ans, j'y tiens. Mais non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais elle est moche, elle me plaît pas. Après, toi, elle te plaît, tant mieux. Mais moi, elle me plaît pas. Je suis un pur gastronome, j'aime la bouffe. Ouais, c'est bien. Oh, il y a du gaélique. Du gaélique. Oh là là, non, on va pas faire du gaélique en fait. Oh là là. Je peux faire de l'ancien français. Ah, oh, tu vois, non, mais l'ancien premier français, niveau, je l'aurais écrit. J'ai le truc. Ouais, l'ancien français, je l'aurais écrit moi-même. En yiddish. Je me réjouisse que vous trouvasse notre. Ah, je viens de trouver une traduction en yiddish. En quoi? Du yiddish. Oh là. Du yiddish. Ouais, mais non, on va pas. Excuse-moi, faire. Excuse-moi, mais c'est quoi déjà le yiddish? J'ai oublié. C'est chez les Mongols. Non, c'est... Pourquoi ça me fait rire? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi je suis un enfant? Parce que j'ai dit le mot qu'il fallait pas, voilà. Ah, putain. Je suis horrible avec ça.
Oula, oula, ah, attends, je lis Wikipédia. Attention, vas-y. C'est compliqué. Le yiddish, c'est une langue germanique dérivée du haut-allemand avec un apport de vocabulaire hébreu slave qui a servi de langue vernaculaire aux communautés juives d'Europe centrale orientale, les Ashkénazes à partir du Moyen-Âge. Il est également parfois appelé le judéo-allemand. C'est du melting pot. Attends, attends, c'est pas un peu le Camoulox, le judéo-allemand, en vrai? Voilà. C'est pas très... Je trouve ça très paradoxal, quand même. C'est pas très Deuxième Reich, on est d'accord. C'est de l'histoire, c'est pas une mauvaise blague. Commencez pas. Si j'en connais un, bon, il aurait pas accepté. Bon, il a pas accepté, mais bon, voilà. Bon, j'ai trouvé la langue pour la prochaine fois, et non, ça ne sera pas allemand. Ça c'est du Swahili chose. C'est du Swahili. Oh, du Swahili, tu veux? Attends, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah, le Swahili. Bon, alors, soit du Swahili, soit du japonais, un des deux, on verra. Ah, le japonais... Je vais essayer de pas être trop... Sachez tout de même... Il va sound 2DS. Sachez tout de même, parce que pour de vrai, ces textes-là, c'est vraiment écrit, je ne raconte pas n'importe quoi, et pour de vrai, je m'entraîne, j'essaye d'avoir la diction. C'est trop vraiment beau. Mais à chaque fois, c'est du yaourt, pas ah, possible. Ah, c'est trop beau. C'est là, aujourd'hui, on a eu droit à de la danette aux petits morceaux, quoi. Ah, incroyable. Je suis ravi. Ah non, mais là, j'en j'ai fait... Marre, j'ai... Tout ce pourri. Là, j'ai mis le Vésuve en éruption, il était pas content, quoi. Quoi. Et Pompéi est encore morte. Quoi? J'aime pas ce boss, ça m'énerve. Il est nul. Il sert à rien, là, voilà, ça y est. L'autre, il va s'énerver, il va me mettre 18 dégâts dans la tronche, j'ai rien compris. Allez-y, mes sœurs zombies. Crachez-lui dessus. Pétez-lui les rotules. Bon, ça s'est bien passé au final. Augmente votre cadence de tir et vos dégâts d'armes. Ah, nice. Là, tu vois, niveau 1. Je n'ai pas été touché une seule fois, je crois. J'ai quand même fait une barre entière et une demi. Aïe, aïe, aïe. Fallait juste que je sois meilleur sur mon autre run, c'est tout. C'était la chauffe, et là, maintenant, je vais l'avoir. Ne pas confondre avec la chouffe. Alors, vu qu'on parle de bière, il va falloir faire de la pub. Alors, on va parler de la bête, on va parler de la lèvre, on va parler de la 1664. Non, on n'a pas le droit de parler de la 1664. D'accord, alors dans ce cas, on parlera ni de Heineken ni de Kronenbourg non plus, parce que ça, c'est même pas de la bière pour moi. La goudale. La goudale, voilà. La levrette, oui, c'est une bière. Oui, je sais, mais de toute façon, il y a des noms très bizarres des bières. Hein. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle la Sakura, enfin voilà. Ouais, ouais. Elle chasse les cartes et tout, enfin, insupportable cette bière. Pardon. M'y attendais pas. Comment on s'y attend pas que c'est le meilleur? Oh, pardon. La 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 la. Mais oui, Imagiro, quand on mais a besoin de lui. Mais c'est ça, putain, va falloir qu'on le tag et tout sur notre truc. Ah, il y a Nino, elle a dit coucou et on a coucou, dit coucou, Nono, mais c'est pas Nono, c'est. Ah, si, en vrai, oui, bon. Je suis fatigué. Nono, le petit robot, comme l'ami d'Ulysse. Ulysse. C'est bientôt le week-end. Mais merde, tu es tombé. On est lundi. C'est bientôt le week-end. Oui, mais moi, je suis en week-end là. Oui, bon, c'est pour. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux. Ouais, t'as vu ça, on dirait Bozo le clown, quoi. Ah ouais, j'aurais dit un punk roux raté, mais. Ouais, un clown, quoi. J'aime les clowns. Oh, putain. J'aime pas les clowns. Enfin, traditionnels. Non, c'est bon. J'ai vu le tir ennemi arriver là. Petit gâteau. Ouf. J'ai eu du bol là sur ce cristal. Oh non mais. Quelle idée. Bon, c'est pas grave. Il y a un coffre qui a pop en dehors d'une caisse et je n'y attendais pas donc j'ai tiré dessus. Mais c'est pas grave, j'ai déjà la barre remplie là pour ce niveau, donc c'est bon. Je vais de suite y aller. Tu seras pas sponsor par Jiffy, toi. Jiffy, pas les idées de génie. Ah ouais. Ah merde, c'est quoi déjà la graine de pierre et le bonbon à la menthe? Ah le c'est moi, menthe, j'arrive. C'est bien, je crois. Ouais, je t'attends un peu. Allez, bisous. Alors, mince.
Ça s'écrit pas comme ça, Mint ? Si, Mint, M-I-N-T. C'est une arme ou c'est des items ? Non, c'est un item, peut-être Peppermint. C'est Pepper. J'ai Pepper Soup, mais j'ai pas Peppermint. J'ai même pas Mint tout court, en fait. Bon, mais c'est comment un bonbon. On dit bonbon ? Un bonbon, c'est un candy, c'est sweet. Attends, des candies, j'en ai 9, on va regarder. Bah, c'est pas candy, c'est pas sweet. Merde. Alors, donne-moi l'autre au passage, on sait jamais. C'est la graine de pierre, donc j'ai envie de dire. Merde, Rockseed. Ou Rockseed. Seed, S-E-E-D. Oui, oui, Seed, j'avais compris. A treat. Ah, c'est pas mal, a treat. Pour le alors, Seed of Stone, je l'ai, pardon. Ok. Seed of Stone. Your bullet will create a platform on the wall. Ah, c'est de la merde. Vas-y, je prends le bonbon à l'amande. La fois que votre famille évolue, vous laissez tomber un demi-bouclier. Chez. Allez, c'est le bonbon à l'amande. Voilà. J'ai envie d'un bonbon à l'amande. Ouais. Parce que c'est très bon. Mais carrément. J'ai envie d'un thé à l'amande maintenant. Voilà, c'est gratuit. Chez Binarna. Maintenant, j'ai envie d'écouter Naïma. L'été à la montée, très bon. Pour lui servir, je t'attends. C'est... J'arrête. J'arrête de suite. Fallait m'arrêter avant. Non. D'accord, mais c'est un peu... Enfin... Ça pourrait être considéré comme une racine. Et voilà, Carrie. La fille de... Voilà. Je vais t'arrêter au final, continue. Tu fais chier, quoi. Et voilà l'apparition de la fille d'Orion. Elle a une tenue légère et envoûtante. Elle traverse les mille et une nuits. Quand vous perdez un bouclier, vous avez une chance d'obtenir un lutin protecteur. Eh ben, c'est là. Par contre, j'ai une grenade, mais elle est bizarre. C'est une grenade électrique. D'accord. Mais j'ai envie de la faire. Genre... Ça a l'air bien. J'en veux une autre. Non, ma soeur zombie, elle se fait décalquer. Genre, il y a un mec, il a pris un papier canson, là, et... Il appuie très fort avec un crayon pour être décalqué. Bon, la technologie Wade, toujours efficace, j'ai envie de dire. La cadence de tir. T'as toujours pas trouvé le bonbon à la menthe encore ? De quoi ? Bah, je voudrais bien savoir comment ils l'ont traduit. Ah ! Le bonbon à la menthe. Je vais chercher. Merci ! Alors, c'était un espèce d'anneau vert moche là. Le bitcoin. Je vais encore me lancer des bombes à la gueule et voilà, je vais les bouffer. C'est, je suis vraiment mauvais sur ce boss. Hein. C'est fou. Il est trop si nul. C'est quoi ? Un pain de la terre ? Une racine comestible ajoute un réceptacle de cœur. On dirait du gingembre. Bon, niveau 3, j'ai déjà fait 2 barres violettes. Je suis bien. Je l'ai le bonbon là, non. Et bon. Ça s'appelle. Je suis un peu déçu parce que mon contrôle F Mint n'a rien donné alors qu'il y a clairement Mint dedans. Hein. Ah. C'est du Hard Mint. Hard Mint. Ouais. Ah ouais. Une menthe dure. Alors par contre, il y a une grenade incendiaire là. Mais bon, faut. Oh, il y a une grenade là. Tant pis, je vais pas la prendre. Je vais pas dépenser une grenade pour une grenade. C'est complètement con. Eto. Par là-bas. Pat 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 pat. Ah, la mail est l'oiseau. Ah, qui c'est qui a donné l'argent ? Je sais pas, je regarde. Donnez-nous l'argent, il faut qu'on achète des McChicken, vous avez oublié ? Ça fait tellement longtemps. C'était trop bien comme sub goal, quoi. Si vous donnez de l'argent, on achètera un. Oh ! Ah ?
D'accord. Alors, je, bon. Les dons Streamlabs s'affichent, mais ce qui me dérange avec Streamlabs, c'est qu'il y a une commission derrière. C'est pour ça que je dis souvent, allez sur HelloAsso, parce que déjà, c'est une plateforme associative. Et surtout, il n'y a pas de frais derrière. Donc, je remercie grandement Nino pour son don de 20 euros. Oh, merci Nino! Attends, ça en fait beaucoup, ça, des McChicken. Bah, ça payera le serveur de novembre, surtout. Yay! Nous remercions la petite Nino. Je crois que je réfléchisse à un moyen d'afficher ça correctement avec un truc automatique, parce que je sais pas du tout comment faire ça. Vraiment pas. Faudrait une apparition texte et... Ouais, ouais. Tu peux m'embrer à quelqu'un. C'est le bordel. Genre, faudrait une image, genre, avec des gros bisous dessus. Oui, non, mais oui, voilà, mais c'est juste que tu vois, Streamlabs, il y a l'outil directement, et l'OSO, c'est pas... Enfin, voilà, tu vois. Oui. T'inquiète. Comme dirait l'autre, t'inquiète, paupiette. Pardon ? T'as jamais connu l'expression t'inquiète, paupiette ? Non. Ouf. Je dois être un peu plus jeune que toi, là. C'est le cas, non ? Bah oui. Mais je sais. Hein. Elle a mis un petit cœur violet avec plaisir. Marqué. Je vais pouvoir acheter Hades avec ça. Bien sûr. Le serveur de novembre. Ah ouais, clairement, ça, ouais, ça saute novembre là, sincèrement. Et c'est cool. En vrai de vrai. Ah oui. En vrai de vrai, c'est la gentillesse. C'est pour ça, hein. Moi je vais faire ma chaîne de mon côté et puis je demanderai aux gens, s'il vous plaît, je voudrais des McChicken. Ah, ça serait à faire au moins une fois, putain. Ah non, Docteur Bleu, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, il y a McDo qui a été cité sur le chat, alors on va citer Burger King, Quick, nous c'est le goût, Quick ça te coupe en deux. Voilà, j'ai quoi d'autre? KFC, APD, Starbucks ça y passe ou pas? C'est du café. Pas que, ils font des gâteaux et tout. Ouais, bah, alors attends, du coup, je sais pas, en fait, en vrai, Starbucks, c'est une vraie question que je me pose, est-ce que ce genre de pseudo. Oh, attends, t'es pas allé à la Belge toi dernièrement? Ben non. Oula, ça fait un moment que t'es pas allé à la Belge. Parce qu'ils ont construit un Starbucks à côté d'un truc qui s'appelle l'alimenterie, si je dis pas de bêtises, ou l'alimentation. Alors, autant j'en ai, autant être honnête, rien à foutre, autant les deux bâtiments à côté, je les ai trouvés super beaux. Je suis passé en voiture, je fais... Mais attends, mais à quel niveau ils l'ont en mis? En face du Carrouf. Carrefour, là où il y avait tous les... Mais merde! Assurance? Oui, tous les bâtiments un peu pro. Enfin, un peu pro. D'accord, ok. Ouais. Ok, je vois à peu près. Ouais. Et tout ça, ouais. Putain, j'ai loupé mon cristal tout pourri, là. Mais quel noob. Alors, Imra... Pardon, j'ai la voix qui prend un peu. Imra, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Vraiment pas. Ce que je voulais dire, c'était l'affichage directement à l'écran des notifications HelloAsso. C'est ça que je voulais dire. Ça, on peut pas parce que c'est quelque chose d'externe. Les dons sur le stream, tu peux les intégrer grâce à Streamlab. Les dons HelloAsso, on peut pas. C'est vraiment sur un autre site, donc je sais pas si c'est possible. Ah, ok, c'est bon, il a compris. Tu vois. C'est pour ça, oui, pour le moment, il y a les deux dans le lien en bio de Twitch, évidemment. Mais dès que on trouve le moyen de n'afficher que HelloAsso, évidemment, que les dons là passeront à la trappe. Même si, c'est vrai que c'est Streamlabs le mieux. Mais bon. Ouais, c'est le mieux pour certaines raisons, et c'est pas le mieux pour certaines raisons. Voilà. Voilà, c'est le problème. Mais bon, petit à petit, ça évolue. Bah, oui. Grâce à nos grands chers streamers qui font des feedbacks. Je suis en train de regarder, il y a l'infographie qui est tombée là de tous les années. Pardon? Il y a quoi l'infographie de...
du Z20. D'accord. Excusez-moi. My bad. Bah non, pas ton bad. T'as juste tout pris, ça arrive. Oh non, pas le gland. C'est nul. Nul à chier, zéro. Zéro étoile. Oh mon dieu, le nombre d'heures de stream vues unique. C'est-à-dire ? Alors, sur le Z20, donc bon, même s'il y a 55 heures de direct, ça c'est un oui. fait. Il y a aussi, on compte aussi les heures visionnées, pardon, par personne. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde, on est à 13 419 322 heures. Oh la vache. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait pas mal. Ça fait même beaucoup. Non ! Mais j'arrête pas de me faire toucher, mais je suis nul. Oh mais... J'adore, ils m'ont pas du tout explosé la tronche, mes familiers là. Punaise. Je vais encore devoir faire un RS. Bon, au début je me suis dit, bon c'est bon, Athéna ça sera facile à faire. Finalement, ne serait-ce qu'un tout petit dégât, ça fait monter la barre rouge, c'est pénible. Et puis il n'y a plus autant d'interactions avec les cristaux, je trouve. Peut-être que j'ai pas de chance, c'est pas grave. J'ai pas envie de passer 20 streams à chercher Athéna. Salut, c'est Athéna, elle est là en haut au sanctuaire. Mais du coup, si tu pourrais passer 20 strings à chercher Athéna. Bon, allez, j'y vais. Alors, moi. Voilà, moi non plus, je vais pas répondre. Ouais, oh, j'ai la guitare, allez, c'est parti. C'est ce qu'on appelle une blague en dessous de la ceinture. Voilà. C'est parti pour la. Pour la guitare, hein. Genre Gaëtan. Gaëtan. Guitare. C'est parti, on va jouer avec ça, on va voir ce que ça donne. Au pire, j'irai la rechercher maintenant. Oh non, pas Freddy. Mercury. Freddy Mercury. J'ai pris tellement de dégâts. Mais j'en ai fait aussi, donc en fait, je vais peut-être le garder pour un niveau. Allez, go. Ah punaise, bon bah au final demain je bosse. D'accord. Je serai sûrement de repos mercredi ou jeudi. Aïe aïe aïe. Hop, hop, hop. Bon, au final, non, c'est pas trop mal, les notes de musique, ça peut être marrant, ça fait un bouclier autour de moi. Mm-hmm. Ouais, pourquoi pas. Donc, il y avait un peu craché dessus, au final, bon, ça va. Mais je voudrais augmenter ma barre violette, s'il vous plaît. Bon, bah au moins, je peux repartir à zéro. Punaise. Ah, Nino qui finit le télétravail. Ah oui, tiens, grosse news, je retourne au bureau vendredi. Ah. Tu n'es plus en chose. Merci. Vraiment, courage, et fais attention et hésite pas si jamais tu vois que tu te sens pas en sécurité à faire valoir ton droit de retrait. C'est totalement valable dans ces situations-là. Ouais, moi je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire direct. Parce que je pense pas que les gens seront d'accord. T'as reçu. Ça a l'air hyper compliqué à choper. Ah, ça y est. C'est quoi l'arme ? Athéna. Ah, Athéna, ben en fait, faut juste. Enfin, juste. Faut avoir cette maudite barre violette, quoi. C'est tout. Enfin, c'est tout.
gros en soi, mais... T'avais pas oublié une grenade dans une salle précédente? Si, mais j'irai la chercher, t'inquiète. Ah, mais j'ai déjà 10 boucliers. C'est 10 max? Ouais, apparemment. D'accord. Apparemment, on a eu un succès la dernière fois, parce que j'avais eu 10 boucliers. Je regarde le stream. Nino, pour l'instant, c'est sur ma volonté, je serai dans le bureau que le vendredi pour commencer mes ressources. Ben, pourquoi pas, en vrai. Pour ça, oui, ça fait une transition, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, on reprend, on va monter une barre violette, ça serait bien. Eh ben, c'est déjà l'échec. Après, merci. Après, je crois que je peux pas monter une autre barre si j'en ai une sur ce niveau. Bah ben, si, le niveau 1, j'en ai monté deux. Après, c'est particulier, c'était parce que je me faisais pas toucher, parce que j'étais meilleur. Je parle tout seul. Oui. Personne ne m'aime. Mais arrête. Sniffy. La serviette, ouais. C'était bien, non? La serviette, ça avait... je crois que c'était bien. Pas de panique, ouais. Vous ne perdez qu'un demi-cœur quand vous êtes blessé. C'est très bien. C'est très très bien, la serviette. En plus, je l'ai autour de la tête et j'ai un Dorito dessus. Parfait. Mais du coup, on voit plus ton espèce de labello passerelle. Ouais, t'as vu, il était vraiment immonde, lui. Il était... Trop de confinement. Je suis même pas sûr d'un bracelet avec. Hein. Franchement, c'est... Non, éloigne-toi, Yaku. Alors déjà, excuse-moi, mais je ne t'embrasserai pas. Tu te calmes. Faire la bise, je parle. Oh là là. Tu te calmes. Non mais, franchement. Tu calmes tes ardeurs, d'accord? Mais je suis très calme. Tu calmes tes... Oh, il est insupportable. Mais ça suffit, oui. Oh merde. Ah, Jake, quand ses voisins font du bruit. Mais ça suffit, oui. Non, je tape sur le bureau, sur le plafond. Ah oui. Ouais, c'est rare. Dernièrement, il y a eu une visite au-dessus de chez moi, là. J'ai pleuré. J'ai pas attrapé la pluie. Ah, d'accord, ok, t'as... Okay. Il y avait une visite et il y avait tellement de talons que je me suis dit, oh non... Des futurs gens. Ah mais je veux pas que les futurs gens soient des madames qui portent des talons tout le long de la journée. Parce que je deviens fou. La technique du balai c'est pas mal. Bah, pour se déconcer aussi hein. Moi je suis sûr que... Oh putain. Ah bon. Moi je... je suis sûr que j'utilise le balai, ça troue le... Je fais un trou jusqu'à là chez eux, quoi. Genre, pof. Et merde. Je tiens à préciser que je n'ai pas encore pris mes cachets, ça explique beaucoup de choses. Ah, que tu es beaucoup plus enjoué que... Non, je sais pas. Nous sommes désolés pour les propos déplacés de nos streamers, nous ne cautionnons pas et ça ne reflète pas l'esprit de la structure. Mais en quoi? Mais non, c'est du spoil. Ah. Sujet merde, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Non, elle a dit un truc et moi j'en rajoute derrière, c'est tout. Ah, ok. C'est vrai que sur le coup j'ai pas suivi, j'ai vu le message, j'ai dit merde, qu'est-ce que j'ai dit? Genre, j'ai pris peur moi. Ah, j'ai du nougat. Oh, j'ai envie de nougat. Moi aussi. Je vais voir de la bouffe. Va à Montélimar. On va peut-être pas aller si loin. Hein. Oh. Oh. Mais déjà, ça serait bien de faire réparer la voiture. Va falloir passer en contenu pour adultes. Bon, ça va, c'est bon, ça. On est déjà en contenu pour adultes, non? Ah bon? Ben non, on n'est pas en contenu pour adultes. Ah bon? Non, sinon il y a plus personne qui regarde. Mais moi je suis adulte. Ah bon? Et je dis des trucs pour les adultes. J'aime pas les enfants. Non, c'est sur YouTube ou c'est un contenu enfin pas en faut se connecter mais clairement il n'y a pas écrit sur YouTube enfants recommandés sinon c'est hyper restreint, c'est chiant. D'accord. Oh merde, mais lui je vais jamais pouvoir y arriver. Oui, c'est sûr. Ah mais non. Ah. Eric? Oui non, on n'ira pas. Mais je te connais par cœur.
Ah mais par contre, pour le détruire, c'était fort. Oh, j'ai un esquimau. Une glace à l'eau. Ajoute un récepteur de cœur. Aidez-moi à convaincre Yakipon d'aller voir Hera en concert. On n'ira pas voir Hera en concert. Mais si. Non. J'ai dit non. Et tu sais que quand Yakipon il dit non, c'est non. Je t'emmènerai, je te dirais que c'est un autre concert et en fait ça sera Hera. Et tu crois que je suis con hein, à ce moment-là ou... Je vais avoir une barre violette. Ça continue. Aïe aïe aïe. Je débrouille-toi, tu Hera Nameno. J'irai où tu Hera. Ah merde. Vous me fatiguez. Ouais, moi aussi je me fatigue. Et mince. Voilà. C'est dit. Et mince. Je suis la musique. Avec Calogero, il disait ça aussi. De quoi? Giro, tu es là? Non, la musique. Ah bon? Il y en a d'autres aussi. La musique dans la peau. Musique. Désolé, j'ai pas eu le temps de me muter. Excusez-moi. D'habitude, j'y arrive, mais alors là, j'avais les deux mains sur le clavier, j'ai dit non. Je préfère entendre ça, quoi, tu vois. Oui, bon. Je sais. Et ça fait longtemps, hein. J'essaye, et si malheureusement... voilà. J'ai jamais fait exprès. Jamais. C'est juste que je suis ce genre de personne. J'y arrive ou pas, là, à lancer ma greu? C'est bon. Fais ton greu. Fais ton greu. Bio. Et pourquoi tu pouvais pas passer par l'autre côté? Non, j'arrivais pas à sauter. D'accord. Je sautais pas assez haut. Ah, mais j'ai un double saut. Je suis un idiot. Bon, c'est pas grave. J'avais plein de greux. Ah, il y a un coffre. Faut pas le toucher. Le coffre? Ouais, mais si je le touche, c'est... Ah non, non. Mais si, mes touches, elles vont faire vlu. Oh non, c'est parti. Ouais, mais c'est... Merde, what? Je suis dégoûté. J'aurais pu avoir ma barre violette, et voilà, il y a tout qui est fait. Oh, bordel. Ah oui, d'accord, en effet, ouais. Ah, je suis dégoûté. Toute ma barre violette, elle m'a fait... Au revoir, Liv, à tout à l'heure. Oh. Eh bien. Eh bien, on est marron. Ouais. Tu mérites des châtaignes. Oh. J'aime la crème de marron. Moi non. J'aime me battre. Ok, écoute. Ah, oh, j'espère que t'as la rêve quand même. Oui. Ah bon, ça me fait peur. Alors que tu sais très bien que je suis quelqu'un de très pacifiste. Que je me suis toujours interdit de taper quelqu'un parce que si je tape quelqu'un, je pense que je le tue. Oui. Il y aura tellement de haine ce jour-là qui va sortir de mon petit corps que... Petit. MDR! Mais ça m'énerve. Bon, bah, ça va être une run de merde. Et je vais pas avoir encore Athéna et voilà. Punaise. Je suis très déçu. Je pensais que ça sera beaucoup plus simple, que ce serait, pardon, beaucoup plus simple. Et au final, je me suis fourvoyé. Et je suis très déçu de ma performance. Je prends des dégâts pour rien, j'adore. Bon, au final, la guitare, c'était pas forcément la meilleure idée du monde, hein, soyons honnêtes. C'était rigolo pour 2-3 salles, là, c'est l'enfer. Pouette, 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 pouette.
Mais je suis nul. Enfin, la vérité éclate. Tel un ballon de baudruche. Bref. Bon, je vais acheter une autre arme, je suis énervé là. Aïe aïe aïe. Macarelle, comme dirait l'autre. Alors j'espère que ça vaut. C'est un porte-âme. Qu'est-ce que ça fait? Ça a bugué. Bon, bah ça sera très bien. Et un Big Daddy. Vous êtes immunisé aux dégâts d'explosion. Ah. C'est une bonne chose. Une arme de la Ghostbuster? Je sais pas. Mais Big Daddy, c'est une référence à BioShock. D'accord. Bah, avec le scaphandre sur la tête. Okay. Voilà. Je vous laisse les copains, mon stream à plus. Au revoir, Imra. Bisous, Imra, à demain. Non, je veux pas le voir, moi. Bah, toi, non, mais moi, oui. Non, mais je veux pas qu'il soit. J'ai décidé. Qui suis-je? Bon, ben tant pis, j'ai envie de dire. J'aurais pas. Pas Athéna. Ça me fait chier. C'est dur. Et Imra, il t'a entendu. Ouais, tu t'es avec. Il a dit quoi? J'étais encore là, désolé. Non, mais c'est une blague. Évidemment. Le mec assume plus. Non, mais c'est une vanne. Non, non, je déconne. Je crois pas. Ouais, enfin, je pense que si. Non, il y a plus de chances que tu fasses mal à Imra que Imra te fasse mal. Ah bon? Tu vois comment je. Tu vois comment je suis fin? Non mais j'ai vu comment il était, Imra. Voilà. Ouais ouais, allez des bisous, bisous. Mes bisous Covid, donc masqué de loin. Avec un poney. Un poney? Ouais, pourquoi pas. Masqué avec un poney, ouais ouais. D'accord. Oh bah. Le roseau est plus solide qu'il n'y paraît. D'accord, il meurt, mais je. D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le roseau? On n'a jamais dit que c'était un roseau. C'est pas bien de se dénigrer comme ça, hein, dit-il. Ah, moi j'avais une autre image en tête, mais c'est pas grave. Oula, doucement. Oui, doucement. Peggy 18. Complètement. C'est quoi ça? C'est un sèche-cheveux? Ready Player 2. Merde. Ah, si, c'est des dégâts d'armes, c'est bien ça. Bon, on va tenter de monter une barre violette. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pacte du diable. Quand vous êtes blessé, vous prenez soit le double de dégâts, soit pas du tout. Oh non, ça c'est nul. J'aurais su, j'aurais pas venu. Ouais. Ouais, cet item là, pas top hein. Non, je pense que ça va me la mettre bien dedans. Bah avec la chance que t'as. Oui, merci de me le rappeler. Je vais faire rire. Sniffy, sniffy. La chance n'est pas mon acabit. Blu. Il n'y avait pas de mur cassable, dommage. Mourez, mourez, les mouches, mourez. Ah non. Putain, la fleur, on dirait un truc dans mon gueule. C'était mon argent ça. Genre la fleur, on dirait un truc dans mon cul avec un tutu. Mais elle était invisible. Mais je suis fatigué. Ta 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 ta. À mon cul. Carte. Est-ce que je veux une carte? Non. Non. Pas besoin. Ah bah tiens, c'est coïncident. De quoi, la boîte boîte? Non, non, je regarde plein de choses en même temps à côté. Bon, je. Et à mon but. Parce que
qui me connaissent personnellement et par rapport à ce que j'ai posté ce matin. Oui. Là, je suis abonné à un magazine, c'est Jeux Vidéo Magazine, et là, ils sont en train, là, ils ont publié juste le sommaire de ce mois. Le gros titre de ce mois, c'est Toxicité sur Twitch. Ah ben, c'est normal, c'est ça, complètement. C'est clairement, c'est comme quoi. Bon, Al, c'est vraiment plus un problème. Hein. Je m'étais fait éclater la première fois, maintenant. Vu que j'ai compris comment il fonctionnait. Bon, mais c'est encore le dernier niveau. Je vais pas pouvoir faire ma barre violette, je vais pas pouvoir avoir Athéna, je suis pas forcément très content, soyons honnêtes. On se va. Non mais non. Mais je suis pas d'accord. 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 Mais putain. J'ai pas d'autre mot là. Je suis en train de tout foutre en l'air. Comme téléphone. Je voudrais bien tout foutre en l'air. Je me dis que c'est normal que je comprenne rien à ce jeu. Oh, quand même. C'est du roguelike en 2D où faut taper partout sans se faire taper. Voilà, c'est... En gros. Est-ce qu'on peut considérer Isaac comme un 2D? J'ai envie de dire oui, moi. Largement. Ouais. Pas du 2.5, hein, du 2. Ouais, ouais. Je dirais du 2, ouais. D'accord. Bon, est-ce que je fais... Est-ce que je m'efforce à faire le reste du niveau? C'est la question, c'est est-ce que je fais le reste du niveau et on arrêtera après cette run, ou est-ce que je fais cette run et j'essaye d'en faire une autre, mais ça risque d'être long. Moi, je peux... Enfin, tu peux finir et faire la de l'autre, encore. Bon, allez, go. C'est pas... Voilà, quoi. Je finis vite, alors. Tellement de sex appeal dans The... Ouais. Tellement de mort aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ah, succès déverrouillé, je vais bien. Je sais pas ce que c'est. Bon, Athéna, elle veut pas. Hein. T'as mis un peu plus de temps à tuer The... Oh, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai une deuxième table de... Un mannequin écho. Miaou, vous obtenez un bonus supplémentaire quand vous ramassez des pièces. Ah, c'est des nouveaux persos. Quoi? Salle de danse. Quoi? Il y a des nouvelles salles. Oh mon dieu. Un distributeur. C'est un comptoir à pièces. Non, non, c'est juste qu'à force, je pense, de monter mes arbres là de pour avoir des trucs, genre comptoir à bombes, là, je vais débloquer ça. J'ai envie de le faire. Et peut-être qu'en débloquant certains trucs, ça m'a débloqué une deuxième page d'amélioration. Peut-être. Ah. Pardon. D'accord, bah écoute, citron à toi aussi. Citron. Voilà. Bon allez, on est reparti vite fait. Et bien fait surtout. Ah, j'ai une sacrée capuche dégueulasse. Allez, on est reparti. Ça commence bien. Je peux augmenter ma barre violette. C'est le but, de toute façon, de ce système, de monter la barre violette. Et je ne parle pas de donation goal. La barre violette est-ce qu'il y a en bas à droite? Oui. Dit-il en faisant bien le geste en V alors qu'il est tout seul chez lui. Oui. T'es vraiment balèze. Je ne sais pas pourquoi. Comme vous voyez, sur la droite... Je présente la météo, mais ça ne sert à rien. De le Chine. Alors là, dans le Cotentin... Il y aura des nuls. Le Cotentin, ah oui, quand même. Le Cotentin. T'as dit le Cotentin. J'ai pas dit le Croc. Ah, moi, je demande arbitrage de replay. Eh ben, tu feras l'arbitrage de cette vidéo. C'est à quand? À 1.40. Voilà. 41. Ah, moi, j'ai entendu Cotentin. Mais non, on est pas. Ah, si. Je conteste. Moi, je conteste pas.
Ou alors je conteste ta contestation. Madame la comtesse, vous me cassez les bonbons, hein. Je suis pas madame la comtesse. Conteste. Ah, pardon. Ça m'a fait peur, il a paru. Ouf, parce que je vais pas prendre de dégâts, donc... Putain, le truc, il était tombé sur la tête. Mais c'est ça, c'est pour ça, ça m'a... ça m'a un peu tendu, soyons honnêtes. Moi, je veux gagner, là. Je veux Athéna, je veux... Après Arès, on l'avait eu sur la dernière run, hein. Au dernier moment. Oui. Hein. Ah, oui. Donc j'espère que ça va faire pareil, tu vois. C'est sans le vouloir, ça va faire du contenu de qualité. Une épée de sorcier. C'est le sorcelaire. C'est le gros... Vous me fatiguez. Tellement que tu ne sais plus écrire fatigué. J'ai mal à mes yeux. Oh, pour de vrai, hein. C'est une vanne, évidemment. Hein. Je ne dénigre personne sur son orthographe, c'est juste que sur le coup. Ah, moi oui. C'était une bonne vanne. C'est une bonne vanne. C'est tout. C'est une bonne vanne. Ouais, à ce point. Mercredi. Vlu. Non, mais lundi. C'est vrai. Ah. J'ai ma salle secrète. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais avoir le jeton de l'Athéna? Oh, la gelée bleue. Le gel élastique. Ou l'assistant virtuel. L'assistant virtuel, c'était bien. Attention, c'est maintenant. Oh, je l'ai! Parce que c'est la dernière run. Le contenu de la qualité! Allez, maintenant, on se sort les doigts et on fonce. Je ne dis plus rien. On devient fort. Mais si, t'as le droit de parler. On devient fort et on torche le jeu. Je tente. C'est dommage. À quoi sert cette salle, quoi? Putain. Genre, l'utilité de la salle, zéro. J'ai eu mon jeton violet. Badidalida des doudoudoudé, jazz, jazz. Je décharge la connerie maintenant, comme ça moi je pourrais peut-être gagner. En fait, je fais doucement. Je fais pas de bêtises. J'essaie de très très bien jouer. En plus, j'ai débloqué une amélioration là dans mon arbre de choses qui dit que si je prends pas de dégâts sur le niveau entier, je peux avoir un bouton avec un truc spécial, donc autant essayer de bien le faire. Nino, est-ce que je vais devoir copier 20 fois, vous me fatiguez pour me faire pardonner? Oui. À notre époque, on fait CTRL-C, CTRL-V, c'est trop simple. Ah ouais, j'avoue. On veut une vidéo de toi, chez toi, qui écrit avec un juge. Benoît juge? Ouais. Il va troll. Pourquoi il a une robe noire et des anglaises? On peut rire là. C'est quoi ça? Non, Nino, pas challenge accepted. Non. J'aime cette dévotion. Genre, ok. Je vais le faire, je vais braquer le mini-marché. Allez, c'est parti pour Tic. Faut pas prendre de dégâts. Ohé. Faut pas prendre de dégâts. Ohé. Tu es tic sans prendre de dégâts, ohé. Oui, mais je me doute, Nino, t'en es capable, mais non. Faut tu es tic. Je l'ai eu. Et donc, ça fait quoi si j'ai réussi? Ils ont dit ça donnera un truc, mais ça donne quoi, techniquement parlant? C'était quoi la salle du début? C'était celle-là? Non, il n'y a pas d'interrupteur. Bon. On va continuer notre aventure. Et on va voir ce que ça donne. Si j'appuie là. Pif! Non, y a pas de truc, je suis très déçu.
Bon, peut-être parce qu'il fallait faire toutes les salles, je sais pas. Ou alors j'avais pris un dégât mais je m'en étais pas rendu compte. Je ne sais pas. Je vais le redire. Je ne sais pas. Ah, une nouvelle arme. La destinée. Bah, c'est autant de la merde que mon ombre. Voilà. Je comprends pas pourquoi elle était gratuite. Toi, si tu veux pas me toucher, t'as mieux. Oh non, l'œuf est vide. Par contre, j'ai pas de combo encore débile là. Hein. Je sais pas si. Ouais. Ouais. J'espère que là que j'ai le jeton, je vais pas. Ah merde. Non, mais j'ai pris un dégât. Je comprends pas ces navis, moi. Oh. Hey, il dit ça. Après, j'ai de l'argent, mais. Ça me fait pas tout. Je suis concentré. Ouais. Comme le citron. Concentré. Oui, le jus de citron concentré. Oh, j'ai une vraie question à te poser, mais j'ai peur de passer pour un débile. Alors attends, parce que moi je pensais d'abord à la tomate concentrée plutôt que le. C'est vrai, le concentré de tomate. Voilà. Oui, mais sinon. T'es prêt pour la question ou pas? Il paraît que le. Merde, j'ai sauté dessus, mais quel imbécile. Il paraît que le bicarbonate de soude, ça peut permettre d'aider pour le blanchissement des dents. Oui. Mais est-ce que c'est un bicarbonate de soude spécial ou c'est un bicarbonate, Vraiment, en vrai, il n'y en a pas 36. Si jamais tu n'es pas trop rassuré, tu cherches bicarbonate de soude alimentaire, simplement. Parce que je sais que j'en ai plein du bicarbonate de soude maintenant. Je me suis dit, tiens, oui. Est-ce que je teste? Tu peux. Mais par contre, suis bien des tutos sur Internet pour pas faire n'importe quoi. Ouais. En gros, fais-toi... C'est ce que je vais commencer à faire dans pas longtemps. Plusieurs spoils le tuto vidéo. Ouais, on verra. Mais oui, c'est... Commence à faire ta propre pâte de dentifrice, entre guillemets pâte, hein, avec le bicarbonate de soude et d'autres trucs, et tu verras que ce sera beaucoup mieux. Non, parce que j'ai regardé, il y avait des espèces de trucs, c'est anti-tartre, anti-machin. Ah. Mais ils te disent, ouais, ben, prenez du citron et du bicarbonate de soude, sauf que t'as la moitié des commentaires, c'est « Mais faites jamais ça, c'est super corrosif !» Et là, tu fais non. Bon, mec, y croire. Non, il faut bien gérer les doses. Il faut pas mettre que du bicarbonate de soude. Il faut le mettre avec d'autres trucs. Il faut vraiment faire une vraie pâte de dentifrice. Tu vas pas mettre du bicarbonate de soude là comme ça, bien sûr, évidemment. Si. D'accord. Protocole bleu. Ajoute des boucliers. Yes. Mais sinon, pour plus de renseignements, bon, certes, internet, mais hashtag endo. Ouais. Voilà, simplement. C'est vrai que je me suis posé la question. Et j'en parle pas trop pour le moment, mais ça viendra quand il y aura un peu plus de matos. Mais ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois même maintenant que j'ai une connaissance qui m'apprend à faire des produits ménagers. Des savons, les cibles et tout ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut m'aider aussi. J'ai encore du stock industriel de marque très connue parce que bon, ben quand on va au pas de la case, forcément voilà. Du coup, j'ai encore du stock, mais petit à petit, vraiment, je suis en train de faire la transition sur ça et dès que j'ai fini mon stock industriel, je ne serai plus qu'à des produits ménagers et d'hygiène maison. Ça, clairement, je. Voilà. Et ça fera partie du sujet. Bon, j'ai peur de perdre là par contre, hein. Sans déconner, je vais pas bien. Je suis pas le meilleur, putain, mais. Mais je vais vraiment perdre par contre, c'est dit. C'est, j'ai choisi que ça y est, j'avais mon jeton, mais j'allais perdre. Punaise, quel idiot. Allez, concentre-toi, idiot bête. Aïe, aïe, aïe. Mais tu peux continuer à parler, c'est pas toi qui me... Oui, je sais, mais écoute... Non, parce que je sais que tu t'es arrêté de... Je regarde, je veille au grain, mais je fais autre chose à côté en même temps. Oui, je sais, je sais.
quand je vois que c'est parti pour être lancé. Non. Je sais pas si celui-là, si je l'avais mangé, ça m'aurait tué ou pas. Punaise, j'aurais pu avancer encore la barre violette, mais je suis nul, zéro. C'était hyper hard. Ah, un carreau. Oh, j'en ai eu deux. Nice. On aime ça. Allez, on bouge. On va au niveau 3. Alors, pour l'instant, mon arme, elle est pas pétée, mais je fais des dégâts. C'est pas trop mal. On va continuer d'écumer les shops. Et on verra. De toute façon, hein, j'ai pas d'autre choix que d'avancer, là. Donc, bon. Ah ben, j'ai le shop, mais j'ai pas les cristaux. Dommage. C'est pas grave. On avance, tranquillement. Ah, des cristaux. Ah, c'est quoi, ça? Ouvrir. Vous entendez un son étrange au loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! C'est donc ça? C'est si je prends pas de dégâts, c'était peut-être au premier niveau, ça m'a filé ce parapluie, et ce parapluie peut me filer une salle avec un petit bonus dedans. C'est bien. D'accord. Ou si c'est pas ce que j'ai pris des dégâts, je sais pas. Et dans tous les cas, c'est cool. Oh, oh oui. Le shield. Olé. Je pense que si je fais cette salle sans dégâts, je peux débloquer une pièce atteignante. Yes. Je suis au taquet là. Non, dans la pièce attenante, vous avez droit. Athéna qui monte. Oui. Alors, Athéna. Bon, on va prendre la capuche du voyageur, hein. Super, tout ça pour faire un double saut. J'en avais besoin quelque part, je crois, du double saut là sur ce niveau. Oui, là. Une clé. Voici. Petite clé. Non, mais j'ai déjà débloqué l'accès au boss. J'aimerais aller au shop. Oh, des cœurs encore. Très bien. De la concentration, on n'en voulait pas. Si on veut gagner, il faut la concentrer. Oh, des œufs. Parfois, les compagnons, ça peut être meilleur qu'une arme, hein, sans déconner. Ça dépend lesquels, évidemment. Merde. Je les ai vus, allez. Allez, on avance tranquillou, bilou. Hop, le trésor, j'espère que c'est un truc bien. Qu'est-ce que c'est ça, les rameaux de serre? Augmente votre vitesse de déplacement. Vous laissez des pièces supplémentaires. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Quand vous utilisez des clés. Bon. C'est gratuit, on ne dit pas non. Hein. Ah, c'était pas le shop, merde. C'est tout ça pour 5... Je vais penser des cristaux pour rien. Ça m'a même pas fait monter ma barre de 1 mm quoi. Ah, je crois aller au shop. Le jeu est vraiment sympa avec moi là. Le jeu quand il décide que je gagne, il m'aide. Putain. Bon, c'est pas encore fini, c'est vrai. Est-ce que j'achète du shield ou est-ce que j'achète... Le caca, c'était pas bien, hein. Non. On va prendre l'arme, voir. Une hirondelle. C'est pas ouf. Putain, mais j'en ai marre. Après le combat, on achète. Après le combat, on achète. Après le combat, on achète les boucliers.
après le combat. On achète le bouclier. Oh, c'est Johnny, le dieu des idoles. Pourquoi Johnny? Bah, Johnny, l'idole des jeunes. Ouais, mais fais une nana. C'est Séraphine. Le nouveau perso de LOL. Elle veut pas mourir. Oh, les petits cœurs de l'amour et de la vérité. Alors, c'est quoi? Le magazine de cinéma. Ah, oh, c'est très bien, ça. Une balle supplémentaire partie. J'aime pas les boss comme ça. C'est-à-dire? Moi, je panique avec un truc qui va dans tous les sens. Ça, j'y arrive pas. Écoute, j'ai joué à tout pendant oui, oui, beaucoup d'années. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, vraiment, je suis tranquille. Je peux en prendre un ou deux, ça me dérange même pas. C'est pas la panique, c'est genre, bon, tant pis. On continue. C'est une question d'habitude. C'est comme le cache musique, ça va être une question d'habitude pour que je sois meilleur. En plus, on peut y jouer à deux. Ouais. Mais arrête, c'est trop bien. Trop cool. Mais je crois que c'est que sur la même... Oui. Bon, là, tu vois le cristal violet en plein milieu. Ben voilà, je le savais. De toute façon, si je m'approchais, je crois que la fleur a tiré dessus et c'était mort. Aïe, aïe, aïe. Tant pis. Je suis assez déçu, j'aurais bien voulu l'avoir. Hop là. Bon, là, ça y est, les dégâts, ils sont là. Les envahisseurs aussi. Les envahisseurs sont là. Ça, c'était un gros échec. Hop là. C'était l'échec de la grenade, elle a fait vlu. Oh non, mais c'est sale, mais j'en ai marre. C'est de la bouse. Pour être poli. Oh putain. Pardon. Le nounours m'a surpris. Ah. Atalord, je suis désormais il va sans studio. Merci beaucoup. Merci. Atalord. C'est gentil. Ah ben dis donc, il ronronne beaucoup celui-là. Ah, je l'ai pas remis, je l'ai je comprends, mais il a bien ronronné quoi. Oh mon dieu, je suis Jésus, j'ai une couronne d'épines. Vous infligez des dégâts de mélo aux ennemis qui vous touchent. Ceci est une bonne chose, c'est vrai, c'est, je renvoie l'appareil, mais. Non, non! Je suis nul à chier, c'est incroyable. Ce qui nous fait 69 followers sur Twitch. Sur Twitch, pardon. C'est drôle. Oui, il fallait le relever. La 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 la. Pourquoi j'ai quand même pas d'or? Non mais. Comment il savait que j'allais là? Je prends des dégâts inutiles là, ça me plaît pas. Oh merde. Paf. La pastèque. Je. Oh le poisson! J'hésite à le prendre, mais j'ai envie de gagner quand même. Il est drôle. Le poisson. Ah, des cœurs. Bon. J'avais pas besoin dans l'immédiat. Mais c'est une bonne chose. Bon. On va aller au shop. Il y a une autre guitare. On ira acheter le shield après le combat. On ira acheter le shield après le combat. Qu'est-ce que j'y pense? Oh! Non, j'ai pas de cristaux! Oh, punaise. Tant pis. Je pense pas en avoir un sur le boss, cela dit, soyons honnêtes.
Mais bon, on peut toujours rêver. Oula, non, je vais pas en avoir. Lui me fait peur un peu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas dans quel sens il part. Je sais pas ce qu'il fait, ça m'énerve. Mais. On l'a pas assez battu, lui, je trouve. Pour ouais. Que je sache encore ce qu'il fait exactement. Oh, un shield. Oh, un sèche-cheveux. Vos balles iront plus loin et plus vite augmentent la portée de... Ah ouais, quand même. On va acheter après le combat. Ouais, mais je risque de perdre mon bouclier en faisant ça. Bon, tant pis, je garde mon argent. Allez, au revoir. Je suis tendu, j'ai froid aux mains. Allez, on continue. On est au cinquième niveau. Donc on va tuer le boss du Darknet. Là. Je crois que c'est son nom. C'est, j'aurais jamais son nom à lui. Argos. Argos encore. Argos, Argos. La force du fruit. Non, du Darknet. C'est Andros, la force du fruit. Manger des fruits, craque les pommes. Oh merde, j'avais pas vu lui qui s'était déplacé, salopard. Saligo. Oh. Mais paye. Mais paye, paye de l'argent là-haut. Sérieux. Mais en fait, j'avais peur que mon cube, ma boule 8 là, ça le fasse transformer en pas bien quoi. La phrase pas du tout française, mais t'as compris. Ouais. Fais le buzz. Ah, par contre, mes éclosions 2, c'est pas trop ça hein, sur ce grid. Merde. Ah, un petit cristal. Les gemmes de... Pardon. Oui, les cristals et tout ça. En BO. C'est rigolo, Steven. L'univers. Je sais pas regarder. C'est pas mal. Si t'as aimé... si t'as aimé Adventure Time, franchement, ouais, moi je te dis, fonce. Hein. C'est rigolo. Ouais, mais j'ai plein de choses à voir. Donc... C'est quoi que tu dois regarder là, d'ailleurs, prochainement? Prochainement, mais déjà beaucoup de choses de retard, comme Vaiana, que j'ai toujours pas vu. Vaiana, tu l'as jamais vu? Toujours pas. Oh, oui, oui, je sais, mais il est sur il est en haut de la liste. Il y a la saison 2 de Mandalorian qui arrive. Il y a plein de séries Netflix qui ont l'air bien sympas là, dernièrement. J'ai commencé Ratched, mais j'ai eu un peu de mal avec la couleur et le décor de la série. Le reste est sympa, mais ça me pose problème. D'accord. Sinon, il y a quoi? Un truc de la révolution un peu, je sais pas comment ça s'appelle, qui a l'air bien sympa aussi. Révolution. Probablement. Donc on n'a pas dû partir pour moi. Et je sais plus quoi encore. Et sur Prime, parce que tant qu'à faire autant filer les trois, il y a la série The Boys à voir un an. Il paraît que c'est chouette. Il paraît que c'est génial et beaucoup de monde en parle et notamment Bracken qui m'en parle sans me spoiler pour une fois. Non, Bracken, vraiment, il me spoil plus. Il me hype énormément, il faut vraiment faire. Non, c'est pas normal, Draken il fait que spoiler. Non, il fait attention, Matt. Non, il fait que spoiler. Si, il fait attention. C'est un spoiler, hein. Je le déteste. J'aime pas les spoilers. C'est pour ça, là, quand je voyais tous vos messages du ZMN, je fais « Je veux le voir tranquille !» Tant pis. Vous avez le droit d'exister. Oh, et puis non, supprimez-vous. Non. Delete. Je te mets dans la corbeille. Oh là, oh là. D'accord. J'ai vu le bidon m'éclater dans la tronche. Bidon. Overpété là, c'est. Putain, la game de tout à l'heure, overpété, la deuxième game, overpété, la troisième. Mais. Du challenge.
C'est un tir de mon Jean-Yves là. Y'a faute, monsieur l'arbitre. T'es obligé d'avoir full violet là, c'est ça? Non, j'ai la pièce, mais bon, c'est mieux quoi. Je m'en fous du rouge, j'ai pas envie de perdre un point de vie. Oh, une poêle, ça fait quoi? Ça me donne une chance de bloquer les balles tirées par les ennemis. Non, c'est bien. De toute façon, faut continuer avec les shields, faut continuer de pas prendre de dégâts. Enfin, je suis sur une bonne lancée, faut que je continue. Il faut trouver une arme parce que je vais pas. C'est mon problème là. Merde. Mon problème c'est l'arme. Faut que j'arrive à la changer. Que je trouve quelque chose de très bien. Parce que je fais des dégâts. Hein. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre le poisson, cela dit. D'accord. Est-ce que l'arme ça peut être ta petite sœur? Putain. Elle connaît ma peine et ma douleur. Voilà. Ouais, ben même les yeux, j'ai du mal à les tuer, quoi. Ouais, non, mais comment tu voulais que je l'esquive, là? Dis-moi. Comment? Punaise. Allez, décède, s'il te plaît. Ça m'arrange. Ok, cool. Ça, c'est fait. L'insigne de la police. Ajoute des balles supplémentaires par tir. C'est bien, mais... C'est bien, tout ça, mais... Ah, il me faudrait des dégâts. Allez. Dis-moi qu'il y a un truc bien dans le shop. Il y a de la merde dans le shop. Putain. Ah. Est-ce que je le tente? Bah non, j'ai pas de cristaux, donc je vais pas le tenter. J'aime beaucoup la musique qu'il y a derrière le boss de Argos, quand même. Ouais, elle est chouette, ouais. Merde. Crédit. Ah, des cristaux. Je vais peut-être pouvoir tenter. Ouais, je vais tenter de le faire, mais j'y crois pas. Je sens que je vais rater ma grenade. Oh putain, en plus, ça sent la dernière. YOLO. Oh, c'était impeccable. Putain, j'ai eu de la bouse. Je suis très déçu. J'ai pas eu de la bouse, mais c'était pas ouf. Et ça m'énerve. Je pouvais pas sauter pour rien. Un dégât et je l'ai pris derrière. Voilà. Ah punaise. Bip. Petit klaxon. Je sais pas si tu l'as entendu. Je sais pas peut-être. Il y a un klaxon devant. Bip. J'en vois en tout cas. Ouais, mais ça vaut pas ton klaxon. Bah ouais. Ah d'ailleurs, je me suis renseigné si j'étais en légalité ou pas. Hein? Normalement, oui. Ah bon? Je suis en légalité parce que c'est pas un klaxon fantasy genre... Ça n'a qu'une note en fait mon truc. Donc il est complètement légal. D'accord, si c'est bon à savoir. Ben après, enfin... C'est quelqu'un qui me l'a dit, je sais pas... C'est pas un monsieur de la police qui me l'a dit, donc je sais pas. Non, je vais regarder sur les chiffres. Mais... Ça peut être intéressant. On m'a dit, tant que c'est un monoson... Ça passe. Enfin, mononote. Je sais pas comment dire. Ah, une nouvelle arme. Oh, ça peut être bien, ça. Allez, vas-y, on prend ça. S'il faut, c'était la pire erreur de toute ma vie, mais on verra. Oh, une fraise. Un bonbon fraise. Plus vous avez de familier, plus vous tirez de balles. Ah ben, en fait, ça va très bien avec l'arme que je viens de choper. On va voir si ça fait des dégâts, cela dit. Parce que bon. Ça va. Ah, mais c'était les guidés! Oh! Pardon. D'accord. Bon, ben, on va chercher les serviettes.
tellement étonné que... C'était très suggestif. Ah mais complètement, là, c'était même plus déguisé. Alors, j'ai des informations sur Klaxon. Ah, vas-y. C'est directement de Légifrance, donc c'est Je pense que j'ai trouvé mon arme. Alors, Légifrance précise, article R313-33 concernant les signaux d'avertissement du code de la route. Alors, je passe sur plein de choses, petit paragraphe. Tout engin de déplacement personnel ou motorisé, cycle, etc. doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. Précision. L'usage des trompes à son multiple sirène et sifflet est interdit. Donc en gros, si on suit ce qui est dit là, c'est interdit. Tu es légal. Bah je sais pas, c'est une trompe, hein, je crois. C'est pas une trompe multiple. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, si on suit vraiment, on prend homo. Ouais, j'ai bugué dessus. Pour faire la lessive. Ah bon, si tu veux. Je sais même pas si elle existe encore la lessive. Mais oh, bref, en gros, au niveau klaxon, pour moi, t'es légal. Sachant que pour ceux qui ne suivent pas, Yakipon a un klaxon très spécifique. J'ai un klaxon en fait d'un vieux taco, genre comme ça. Voilà. Je le fais vrai, hein, moyen. Je suis entraîné et tout. Pour faire mon klaxon. Pendant ce temps, mon SMS est un SMS de la SNCF qui me dit qu'il y a des perturbations pendant 10 jours pour des travaux. Et c'est directement lié à la gare Matadio. Toute la gare Matadio à Toulouse est en travaux. Ça ne m'arrange pas. Je me sens vraiment pas bien sur ce run en vrai. J'ai pas de gens qui créent des boucliers à tir au larigot. J'ai 2-3 dégâts. L'arme elle est pas mauvaise, mais elle est pas folle non plus. Je me sens vraiment moyen. Hein. J'arrive bientôt sur Hall et j'ai vraiment peur de Hall. Je pense que c'est celui qui peut le plus me faire chier, Hall. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai plein de SMS, mais bon, je les lirai plus tard. Oh, une feuille! Un pain elfique. Augmente votre vitesse de déplacement et rend un cœur. C'est une réponse directe au Seigneur des Anneaux. Non. Complètement. Ça, on est d'accord. Toc. Hop, ça là-bas. On check tout, évidemment. Tous les coffres et donc tout n'importe quoi pour avoir des objets. Donc autant essayer. Par contre, ouais, le shop, on va peut-être y aller avec 167 PO. Je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y avait un shield, mais je suis pas sûr. Ouais. On va prendre le shield de suite. Parce que je sais plus si. Non, c'est pas un niveau normalement, c'est un boss, c'est pas. Bon, on verra. Allez go, YOLO. Ah c'est toc, ça devrait le faire. Vu que j'ai apporté. Non ça va. De toute façon toc il est pas dur hein, comme bon, ça soyons honnêtes. Ah la soupe poivrée. Ajoute un réceptacle de cœur. C'est ce qu'on veut. On veut de la vie. Et on arrive sur Hall et je me fais un petit peu de. C'est le hockey, le fameux. Je me fais un peu dessus. Oh, décidément. Ça va, je suis assez grand, hein. Calme-toi le corps. J'ai marre d'avoir les pieds qui dépassent sur les lits. Et le reste. Ouais, l'arme n'est vraiment pas folle, mais bon, c'est la mieux que j'ai trouvée pour l'instant. Tuer les nounours en priorité parce qu'ils sont un peu pénibles en nounours. Pip. Un shop, parce qu'il y a des trucs très bien. Il y a des armes, il y a une bouteille d'eau. C'est un pistolet à air. Il y a air.
c'est de la merde. Voilà. S'il faut, c'est très bien, mais je vois pas. Qu'est-ce que ça fait? Bah, j'en sais rien. Ouais. Donc, sur le coup, j'ai dit, bah, attends. Je pars pas en confiance, hein. Non, 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 c'est pour ça. Autant repartir sur quelque chose que je connais. Oh non! Je me suis fait éclater. Pour rien. Allez, on viendra après. On va continuer le niveau. Faut essayer de trouver des trésors. Faut des dégâts. Hein. Faut de la survie. Ton hockey, ça va mieux? Oui, bah, apparemment, ça s'est calmé. Généralement, okay. Le hockey. Alors, c'est ultra bizarre. J'ai le hockey quasiment, mais alors vraiment 99% de temps, à chaque fois que je commence à boire un coca. D'accord. Genre, la première gorgée, ça me file le hockey. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quasiment tout le temps. Bah, c'est à chaque fois que je mange du pain que j'ai le hockey. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu le retournes, le pain? Est-ce que tu fais une croix? Alors, comment on arrête le stream déjà? Bouton d'urgence. Bip. Fini. Oui, peux, hein. Je sais. Je sais que c'est toi qui décides qui stream ou quand on stream pas, mais voilà. Aïe aïe aïe. Donc n'oubliez pas chez vous, faites des croix sur vos pains. Voilà. Et retournez-les. Non, vous retournez pas le pain, justement, mais dans le sens correct. Votre balle a une chance de créer un magnifique feu d'artifice. Ben, je le vois pas, tant pis. Ah, très déçu. Coiffe de plume. Je sais pas. Ouais. Mais mince. Bon, Vincent, je risque peut-être de mourir, donc je vais commencer à utiliser mes trucs pour avoir des ressources. Ah merde, c'était ma dernière clé. Bon, elle était worse, mais... J'avais pas vu que c'était ma dernière clé. Mmh. Allez. Salut Majiro. Salut Majiro, on parlait de toi tout à l'heure. Ouais. Si tu devines pourquoi, tu es très fort. Et merde. Super, j'ai pris deux boucliers juste pour ça. Oh, le lag. Merde. Pardon. Ah, pardon. C'est une salle très pardonnée. Une salle très pardonnée, pourquoi? Mais ça faisait beaucoup de pardon. Ouais, pardon. Je suis toujours comme ça. Vous parliez de moi parce qu'on mérite d'avoir un stream de Splatoon aux Z-Event. Elle est très bonne, celle-là. Le mec, il va son rouleau à peinture, elle va refaire le sol du Z-Event, quoi. C'est ça. Bah, il y en a bien une qui a couru comme Naruto. J'ai vu ça, mais... Je suis et tout le monde s'est arrêté en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Bah, fais ce qu'elle veut, si c'était un donation. Ah oui, mais pourquoi pas. Et non, non, imagine, c'était pas. C'était exactement pour ça, moi. Je suis désolé, il a raison. Moi non. Je vais lui donner raison. Je sais même plus pourquoi en fait. Mais si. J'ai oublié. C'était pour de la musique. Ah. Ça lui donne un indice. Mais Guillaume, pas du tout, il est en mode mais quelle musique. Ouais. Parce que si je dis que j'ai oublié moi aussi, ça va la foutre mal. Le Lofi. Quoi? C'est quoi ça, le Lofi? Non, c'est bon, mets pas tes musiques merdiques là, encore, ça va m'énerver. Ouais. Non, c'est pas le Lofi. Le Lofi? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Il a encore trouvé un truc du démon là et. Ça, mais... Le Lofi est une expression apparue à la fin des années 80 aux États-Unis pour désigner certains groupes ou musiciens underground adoptant des méthodes d'enregistrement primitives pour produire un son sale. Bon allez. Sale! Ah. Allez, on prie, mais les dégâts, c'est pas ça. Par contre, ce qui me met dans la gueule... Oh non, mais c'est insupportable. Je déteste Al. Je le déteste. Ah bah, le Simo, c'est... Putain,
putain, mais... Bon, mais je vais perdre. Mais meurs, Al, s'il te plaît. Bon, bah, tant pis. Aïe. Ouais, fais chier. Je suis très dégoûté. Putain, j'avais le jeu. Oh, putain, la fin. Pardon, excuse-moi. Ah, oh non, la fin. Il restait que dalle. Ouais, il restait rien, ouais. Par contre, beaucoup, beaucoup trop d'effets visuels, vraiment. Ah ouais, là, ça a été l'enfer, là. Ça a été enfer, le stream, ça, voilà, je te dis pas, et même, je vois la courbe de débit, elle a fait, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ah ouais, ouais, non, mais... C'est... Là, le souci que j'ai eu sur ce run, c'était l'arme. L'arme, et j'avais aucun sustain. J'ai jamais eu de docteur bleu, j'ai jamais eu de mec qui me filait de quoi me protéger. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. C'est juste qu'il va falloir que je refarme le jeton, je suis deg. Ouais. Tant pis. Mais bon, on peut quand même augmenter certaines choses. Un comptoir à bombes. D'échanger des bombes contre d'autres objets quand vous rencontrez leur employé souriant. Une libellule en bambou et un nouveau... S'il ne vous reste plus qu'un demi-cœur, vous obtenez la capacité de voler. Bon. Et il y a par contre un pain d'épices, des cœurs moisis. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a Imagiro qui demande si c'est la mousse. Non, je sais pas si c'était la mousse. Non, c'est pas la mousse. Ah, je m'en souviens. C'était pour Sakura Card Captor. Ah oui. Aïe. Sale d'intersection. Non, le remets pas, Imagiro, du coup, le remets pas. De quoi ? J'anticipe. Remets pas quoi ? Parce qu'Imagiro, quand on lui demande un mème, tu sais pas pourquoi, en deux secondes, il te le retrouve. Ah ouais, mais grave. Ah, qu'est-ce que c'est ? Il est temps de prendre une décision, écoutez les autres ou suivez votre cœur. Est-ce que tu crois que c'est une sale fête pour les Twitch ? Oh, très probablement, je regarde. Parce que même la description. Alors. De quoi Sakura Card Captor ? Oh putain, ça y est, on a trigger aussi Noémie. Ouais. Je sais plus ce qu'on chantait, mais... Ah non, on parlait de bière à un moment donné, j'ai dit non mais tu sais, oui. Les bières de toute façon elles ont n'importe quel nom, et j'ai dit il y en a bien une qui s'appelle Sakura, et j'ai dit en plus elle est en train de chasser les cartes, elle est pénible, donc forcément ça fait rire Jake, voilà. Bon ben malheureusement on va se quitter là-dessus. J'ai pas d'infos. C'est pas grave. On va se quitter là-dessus. Ben, désolé, vous allez avoir un autre épisode de Neon Abyss qui va arriver bientôt. Je pensais pouvoir finir aujourd'hui en tuant Athéna, mais malheureusement... Avant de partir, tu pouvais la prendre, cette option-là, de salle d'intersection ? Non, ou... je pouvais pas, ça sera peut-être au prochain stream. D'accord, je suis curieux de savoir, c'est pour ça. Ouais, je la prendrai au prochain, si j'y pense. Promis. Bon, sur ce, les gens... Ben merci de nous avoir suivis, c'était riche en émotions. Je suis un peu déçu de l'issue, mais bon, j'ai envie de dire c'est le jeu, tant pis. Ouais. J'ai pas eu de sustain. Après, enfin, ça fait longtemps que j'avais pas eu de game un peu difficile. Je pense que c'est ça en fait. Je vais vous expliquer ça rapidement. La difficulté là, elle est en ordinaire, mais il y a 3 points. Donc je pense que c'est un ordinaire plus. C'est-à-dire que c'est plus difficile. On va dire que c'est niveau 3 sur 5. Et comme sur un stream dont on ne doit pas prononcer le chiffre, je n'ai fait que de la merde, bon, le niveau de difficulté est resté en ordinaire, mais moindre. C'est pour ça que j'ai fait des runs complètement éclatés. Je pense que c'est ça. C'est session 4, je le précise. Non, faut pas le dire. Et sur le coup, là, vu que j'ai fait du mi-figue, mi-raisin, je pense que le niveau s'est peut-être réajusté. Donc peut-être que la prochaine, ça va être... faisable. Mais bon, faut dropper le truc d'Athéna, quoi. Franchement, c'était quand même pas mal, là. J'ai essayé. J'en ai chié à la fin. Mais après, ouais, faudra redrop ça, c'est autre chose. J'en ai chié. Bon, sur ce, les gens, je vous fais des gros bisous. Ouais, je pense que Jake aussi. Ouais, et on se quitte pas comme ça, puisqu'on se dit à demain soir pour ceux qui suivent en direct en ce moment. Pour ceux qui seront sur YouTube, ça sera pas demain soir, mais à quand vous regarderez la replay. Mais sinon, à demain soir sur Twitch pour du Among Us
on sera 10 et ça sera dans la bienveillance, dans le respect, le débat, et comme la dernière fois avec des choses un petit peu plus poussées. Voilà. Dans mon coin, il y a Majiro sur le chat qui nous chante Sakura et qui nous l'a remis sur le Discord. Merde. Voilà, j'ai cliqué forcément. Bon, sur ce, on vous laisse. Passez une bonne soirée. Et puis à la prochaine. Puis à demain pour ceux qui vont suivre mon cul. Voilà. Ouais. Bisous. Bécot.